Ce soir, après moult rebondissements, je suis en compagnie d'Alexandre Chaudret. Salut Alexandre. Salut. Bon, j'espère que tout le monde t'entend bien et sans grésillement. Sans Apparemment, grésillement cette fois, ouais. on peut souffler un peu. Ouais. Bon, bah, en tout cas, moi je suis honoré du coup de te recevoir ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation à répondre à mes questions et aux questions des spectateurs en live. C'est un plaisir. Allez, c'est bon, j'ai les questions sous les yeux, j'ai le chat aussi sous les yeux, donc comme ça, vous pourrez à tout moment interagir, hein, donner vos remarques, poser des questions. J'essaierai de temps en temps de glisser quelques-unes de vos questions durant l'interview, évidemment, donc n'hésitez pas à tout moment. Ouais, Et je désolé. propose maintenant qu'on passe à l'interview. Donc, Alexandre, je vais commencer par te laisser te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais, si tu veux bien. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Bonsoir. Désolé encore pour le retard. Je m'appelle Alexandre Chaudret. Je suis illustrateur et directeur artistique. Je travaille dans l'industrie du jeu vidéo depuis 2011, ce qui va me rajeunir vachement. Et j'ai aussi une sorte de side work de freelance où je fais de l'illustration et pour du livre, du board game, et tout un panel de travaux artistiques. Le mieux, ce serait, si tu veux bien, que je présente mon parcours, si tu veux. Ça va être la prochaine chose Hop. que j'allais te demander. Eh ben, c'est nickel. Alors, on va faire le premier test de partage d'écran parce que je vous ai fait des slides. Ah. Hop, normalement. Normalement, vous voyez maintenant mon écran qui s'est Tout affiché. à fait, Ok, c'est nickel. parfait. Et tu vois, j'ai même préparé mon petit dossier parcours. Quel homme organisé. Oh, hey, Ouais, quand le micro marche, tout marche. il n'y a même pas de grésillement. Donc c'est bon, Parfait. tu peux y aller. Du coup, c'est juste pour pouvoir vous resituer rapidement ce que moi j'ai fait. Donc, j'ai commencé par un bac S, ce qui est très logique pour pouvoir aller faire dans des industries de l'art, hein, n'est-ce pas? Mais au moins, la SVT m'a servi pour l'anatomie. Puis j'ai fait un an d'atelier de Sèvres, qui est en gros une prépa parisienne qui prépare aux arts appliqués en général et aux concours des grandes écoles. Et j'ai été pris sur concours à Supinfocom Rubica, qui était à Valenciennes et qui dure 5 ans et qui délivre un diplôme de réalisateur 3D. Donc en fait, moi je suis plutôt de la branche cinéma d'animation à la base. Et voilà, j'ai eu mon diplôme avec le court-métrage Jack and Chuck, qui est à mon avis trouvable sur Internet, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Et depuis ce moment-là, avec les deux stages que j'avais faits, j'ai été pris en tant que cinématique artiste, donc à faire la réalisation de cutscenes et de cinématiques chez Spiders, qui est une boîte de jeux vidéo parisienne, indépendante, qui a grossi depuis que j'y suis allé, et qui va sortir Gridfall dans pas si longtemps. Et si j'étais super fan de faire du cinématique artiste, surtout qu'il y avait tout le pôle à créer à ce moment-là, j'ai toujours voulu et toujours développé le côté dessin à côté, et même parfois un peu à Spiders. Et à un moment, j'ai voulu faire en 2015, tout début 2015, j'ai fait le changement et j'ai été appelé chez Gameloft. Et à Gameloft, on créait une art team qui était au QG de Gameloft, donc en fait à Gameloft Paris, dont le but était de créer des IP, faire une sorte de check-up et de rescue pour tous les autres studios externes de Gameloft. Pour vous donner une idée, Gameloft c'était énorme à cette époque, c'était 6 500 personnes. Donc il y avait 30 studios externes, et nous on recevait les directions artistiques d'à peu près tous ces studios, et on recorrigeait, on retravaillait, on était une sorte de super team firemen qui retravaillait tout ça. Et je me suis monté de concept artiste à lead artiste pendant cette période-là, avant de quitter Gameloft au moment où ça a été racheté par Vivendi. Mais en parallèle de tout ça, depuis 2012, j'ai créé mon activité freelance, comme je vous ai dit, à côté. Et j'ai commencé avec des indépendants, donc en mode très 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 petit, hein, vraiment zéro réseau, très peu payé. Et je suis monté au fur et à mesure, j'ai créé voilà, l'entreprise complète que j'avais maintenant. Et donc je suis passé des tout petits indépendants à des clients comme Blur ou Amplitude ou Warhammer. Et la suite, ça je vous raconterai plus tard, pour faire du teasing. Et voilà. Un sacré parcours. N'est-ce pas? Ouais, sacré parcours. Il y a déjà plein de questions qui me viennent. Je regarde d'ailleurs s'il y a aussi des questions N'hésitez pas. du côté du chat. Pour l'instant, ça va, ils sont super concentrés.
Je confirme. Donc, alors, est-ce que pour bah là, après ce petit teasing, est-ce que tu peux nous montrer peut-être, pour compléter cette présentation, quelques-unes de tes créations récentes? Comme ça, on peut voir aussi finalement quel est ton univers visuel et qu'est-ce que tu produis comme. Alors, le plus simple pour ça, c'est d'aller sur mon ArtStation. Je vais me connecter de suite. Vas-y, je t'en prie. Et vous partagez l'écran. Donc voilà mon ArtStation, tout le monde le voit, je suppose. C'est super facile de le trouver, il suffit de taper Eyart, E-Y-A-R-D-T, ou mon prénom et nom de famille, et vous me trouverez là-dedans. Alors, ce qui est compliqué avec mon ArtStation, c'est qu'en fait, il y a pas mal de choses. Voilà, il y a un peu fourni. Un peu. Du coup, voilà, on remonte facile à 2013, je dirais, dans ce que moi j'ai commencé à créer. Et probablement après, je vous montrerai des choses d'avant. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur mon ArtStation, c'est qu'en gros, je mets quasiment tout ce que je fais maintenant. Donc, je mélange du pro, du perso, et je fais très peu de tri. La seule chose que je fais, c'est que des fois, je mélange un peu l'ordre pour les lignes qui sont tout en haut. Donc, c'est pas forcément un ordre chronologique parfait, mais il y a pas mal de choses, ouais. Et d'ailleurs, j'ai tout de suite une question qui me vient. Est-ce que ça, c'est propre à une stratégie? Il y a une idée derrière ce fonctionnement? Alors, en fait, initialement, il y a vraiment une idée de stratégie. C'est-à-dire que je mettais ce qui me semblait le plus attractif tout en haut pour le freelance ou pour des démarchages de boîte, hein, tout simplement. Ouais. Ce qui faisait que je mettais dans les deux premières lignes en gros d'ArtStation un panel de tout ce que je savais faire ou de si j'avais appliqué par exemple à du freelance pour de la fantasy, il y avait les deux premières lignes étaient remplies de fantasy. Si j'avais plus pour de la science-fiction, je remplissais les deux premières lignes de trucs de science-fiction. Maintenant que là je suis en poste depuis plus d'un an et demi en direction artistique, je fais plus du tout attention à ça. Donc si je change l'ordre, c'est juste parce que je mets celle qui me plaît tout en haut. Et très honnêtement, là, quand je regarde, je crois que c'est quasiment chronologique. Parce que comme mon débit a un petit peu baissé entre direction artistique et double enfant, c'est sûr que là, j'ai un petit peu freiné. Donc je laisse en gros les projets tout en haut, quoi, qui sont les principaux. Ok, ouais. C'est intéressant en tout cas. C'est vrai que j'avais jamais entendu cette petite astuce qui en fait est pleine de bon sens. Laisser ses créations en quelque sorte les plus intéressantes ou les plus populaires en premier, après de mixer un peu les deux, c'est très intelligent, je trouve. Je pense qu'on est plein en fait aussi à créer des choses, enfin moi en tout cas c'est mon cas, je crée des choses et à partir du moment où je l'ai mis sur ArtStation, je le déteste, je ne l'aime plus, je n'ose même plus le regarder. Donc faire que ta première page soit à peu près celle que tu préfères et que tu laisses dans les tréfonds ce que tu aimes le moins, c'est le mieux. Très honnêtement, ce qu'il faudrait faire, c'est que je fasse un tri, surtout que je repasse là-dedans, que surtout là dans ce qui est en dessous du niveau de l'enfer là. Je les garde parce que je n'ose pas les toucher, tu vois, mais c'est voilà, ça devient un peu de la poubelle, quoi. Mais d'ailleurs, histoire de faire de mon côté aussi du teasing, si je me trompe pas, tu vas nous montrer tes quelques perles plus tard de tes débuts. Ah, mais alors là, les gars, je vous ai décosté des trucs, c'est du dossier lent. Et je vous ai fait ça bien parce que au début j'étais là à choisir des trucs, ouais c'est nul mais pas ça va quoi pour l'époque, mais non là finalement j'ai pris que des trucs hyper pourris. Donc, ça c'est teasing, vous n'aurez pas perdu votre temps d'avoir attendu, là vous allez voir comment vous allez pouvoir débunker un artiste pro dans peu de temps. Ok, bon, voilà, si là on perd des gens, je sais pas ce qu'il faut faire pour les retenir. Non, voilà, je ne peux pas dire plus. Bon, après, si on regarde donc dans chacun de mes projets, ce que je fais, donc vous avez toujours l'image forcément en high-res, mais sur le côté, j'écris toujours ou très souvent une petite histoire aussi qui va avec l'image. Ça, c'est parce que ma philosophie de création, c'est ce que je répète à chaque fois. En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est de raconter des histoires. Donc, je le crée très rarement, surtout dans les projets perso, sans avoir pensé à une histoire à côté. Et en plus, vous avez, la plupart du temps, si j'ai pu le sauvegarder, j'ai un GIF de Work in Progress, où vous allez voir tout ce que j'ai pu, comment j'ai créé l'image, en fait, et du step-by-step, là aussi, imagé. Ouais, donc, je fais rarement des vidéos, parce que, en fait, comme c'est complètement sporadique quand je peux dessiner pour des projets perso, mais par contre, je garde mes étapes de création. J'écrase mes calques et je fais un nouveau calque et ça fait généralement les step by step que vous retrouvez dans ArtStation.
Ah, je trouve Et que c'est... ça, voilà, c'est pour quasiment tous les projets. J'ai une question qui me vient tout de suite d'ailleurs sur ce que tu disais, que pour chaque image, chaque concept que tu crées, tu imagines d'abord une histoire dans ta tête. Et c'est vrai que ça fait écho parce que quelque chose qui me, on va dire, qui me lasse de plus en plus lorsque je me balade sur les différentes galeries d'artistes, c'est que j'ai le sentiment que tout se ressemble ou alors qu'il y a juste simplement une espèce de recherche d'esthétisme sans qu'il y ait vraiment à chaque fois derrière de vrais concepts, d'originalité, de storytelling. Et du coup, est-ce que c'est pas justement une démarche pour aller contre ces concept art qui sont presque un peu vides, le fait d'imaginer une histoire avant de peindre? Alors en fait, le truc c'est que c'est au-delà même de penser à genre aller contre un mouvement, etc. C'est qu'en fait je ne sais pas faire autrement. Je pourrais essayer, hein, mais j'ai beaucoup beaucoup de mal de ne créer que à partir de rien et sans une histoire à laquelle me raccrocher. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas que c'est forcément une histoire à moi. Si je fais le concept art pour une boîte ou pour un directeur créatif ou pour un directeur artistique, je me nourris de l'histoire que lui me donne. Mais j'ai du mal à partir de rien ou ne rien injecter en termes de sens. Là, par exemple, sur ce genre de dessin où il y a sa part de gribouillage d'enfant, qu'après je retaille, évidemment, je n'ai pas créé l'histoire avant de mettre le gribouillage d'enfant. Par contre, très rapidement, j'injecte. Dès que je sais que ça va être un chevalier, je commence à m'imaginer, OK, comment il va se battre, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est dans ces couleurs-là et où il va, quoi. Moi, c'est un truc qui me permet juste de ne pas inventer de rien. Et c'est pour ça que beaucoup des créations que je fais sont en série. C'est-à-dire que tu as une série de personnages avec des crânes, tu as une série de monstres avec des têtes de squelettes ou des trucs comme ça. Ou les Wild Wild Vampires, c'était une série complète où j'ai créé des personnages pour qu'ils aillent ensemble, pour faire partie d'un même projet. Je crée rarement des trucs one shot sans que ça puisse se raccorder à autre chose. Après, je te rejoins complètement dans le sens où on peut avoir l'impression que c'est qu'il y a de la création un peu dans le vide. Après, je pense que c'est en fait souvent des artistes ils pensent aussi à une histoire et c'est juste qu'ils n'arrivent pas forcément à la matérialiser ou ils n'ont pas forcément le besoin de la matérialiser autant. Mais il y a aussi une tendance qui fait que avec Internet, on s'est ouvert à beaucoup plus d'artistes. Il y en a qui sont excellents, hein, d'autres qui sont juste dans une moyenne, on va dire. Et surtout, tout le monde devient professeur, tout le monde devient mentor. Et le problème, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être mentor. Et il y a des philosophies et des courants artistiques qui sont très différents selon les gens. Certains pensent que c'est la technique avant tout, que le talent n'existe pas, que tout est par le travail et c'est tout à fait louable. D'autres disent qu'il faut avoir des rêves constamment, qu'il faut se nourrir de l'existant. Et d'autres plus que moi vont dire, bah non, c'est de ce qui vient de ton intérieur qui compte. Et en fait, le média pour pouvoir le créer, ça, c'est le travail et la recherche et tout. Ce qui fait qu'en fait, beaucoup de gens peuvent utiliser ne serait-ce que des refs, des techniques qui utilisent des refs, avec le photobash, que moi j'utilise aussi, hein, mais le kitbash, avoir des cours gratuits ou des cours payants pour des sommes ridicules. Et en fait, ils ne font que digérer des choses qui sont déjà digérées par d'autres artistes. Et il les recrache, donc ça fait du digérer de digérer. Ce qui fait que nous, quand on a l'œil un peu aguerri, qu'à force de manger McDo, on se dit tiens, ce serait bien de faire un peu de gastronomie, et ben on retourne que vers les mêmes artistes parce que c'est les seuls qu'on connaît, et on a du mal à trouver, à dénicher des petits restos sexy au coin de la rue parce qu'en fait on est noyé dans beaucoup de choses de beaucoup de gens qui ressassent les mêmes choses. Après, ça c'est une vision personnelle, mais c'est comme ça que je l'analyse en tout cas. Ah, mais je te rejoins, c'est aussi un petit peu ce que je ressens justement face à certaines galeries. Alors autant je pense que c'est tout à fait compréhensible face à un artiste qui est en période d'apprentissage. Comme tu l'as dit, c'est normal de se Tout à fait. nourrir du travail des autres, de s'inspirer, de suivre des tutos et de reproduire. Autant je ressens quand même que beaucoup ont du mal après à se détacher justement de leurs influences. Et ça, par exemple, je ne pourrais pas compter le nombre de concept art qui reprennent des concept art du style Uncharted, par exemple. Ou alors des copies du style Overwatch et compagnie, etc., quoi. Mais bon, c'est pas le sujet forcément d'interview, Je mais pense ouais. aussi que tu vois, il y a un truc, c'est que les on passe tous par ces clichés-là. Vous allez le voir en fait quand je vais montrer les images du passé là. On passe par ces clichés. La seule chose, c'est que maintenant, les outils sont tellement plus puissants, tellement plus rapidement, et le savoir est tellement donné rapidement, c'est qu'on peut créer même avec ces images et ces histoires clichés, des images qui envoient du pâté. Les résultats, elles sont mises en avant aussi.
C'est normal parce que si elles sont bien réalisées, elles sont bien réalisées. Mais elles sont pas forcément très maturées. C'est-à-dire que si toi, tu as commencé, on va dire, à 20 ans, que à 24, tu es dans ta période cliché, et c'est normal, et c'est un moment que tu dois passer, mais tu n'avais pas accès à la technique qu'il faudrait, ou pas des outils qui te permettent de créer des images waouh en quelques clics, bon, bah, tes images pas très maturées, elles étaient aussi au niveau de ton niveau technique. Et ce n'est que vers tes 30 ans que tu avais des images de ouf qui avaient à la fois technique et artistique. Sauf que maintenant, ben, dès 21 ans, à mon avis, tu as largement de quoi faire ce qui roustait les gens de 30 ans il y a 10 ans, tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup, pour un toi... un flot de trucs, quoi, qui tombe sur ArtStation. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, pour toi, alors, il y a des différentes phases de maturation, alors, pour un artiste ? Ah ouais, bien sûr. Bah, déjà, avant tout, il y a des phases. Ça, c'est un truc... C'est obligé, on est tous avec des moments où on fait des trucs bien, des trucs moins bien, où on expérimente, des fois on se fixe plus vite, où on reste dans des phases plus longues, ça dépend aussi de ta carrière, de comment tu veux travailler, et de chez qui tu voudrais aller, et de ce que tu aimes créer. Mais généralement, on a tous, bon, soit on les appelle des hauts et des bas, ou on dit des phases de stagnation, ou « Ah, j'ai passé un palier ». En fait, tout ça représente ni plus ni moins les phases artistiques à laquelle tu passes. Moi, quand je regardais, ben, en plus là, mes travaux de jeunesse, il y a des choses qui sont du domaine de la fraîcheur que j'ai moins. Parce que ben, je suis rempli aussi d'un certain nombre de règles qui m'interdisent de faire des accidents qui parfois étaient très bien. Par contre, maintenant, j'ai aussi une énorme liberté dans mes travaux récents, puisque comme là, je suis passé directeur artistique, j'ai plus besoin de rechercher des boulots de concept art pur où je devais faire de la technique avec des très hauts niveaux de détails et ou alors des sujets putassiers pour pouvoir voilà apparaître en premier dans des folios et tout ça. Donc d'une certaine façon, ça m'a relibéré aussi. Donc on a tous en fait des moments où on va changer. Et puis c'est sûr, quand on aura 40 balais, que ce soit toi ou moi, on sera blasé de faire je sais pas quel type de dessin et on fera plus que ce qu'on aime. Et si c'est les filles à gros seins, ça sera que des filles à gros seins. Et si c'est plus que des décors avec des personnages en soleil couchant, on fera pratiquement plus que ça. Ou alors, on en aura tellement marre qu'on deviendra des cubistes à la Picasso, des personnages qui ressemblent plus à rien. Je me vois bien à 60 ans faire des choses abstraites sur lesquelles je pourrais cracher aujourd'hui. Et d'ailleurs, je rebondis parce que ça me fait penser à cette question. Alors, où est-ce qu'elle est passée ? Je crois que c'est de Fazilio, qui est pas mal en lien avec ce dont on parle, qui demande si ce syndrome de repomper le style n'est pas aussi lié au milieu pro qui peut tendre à formater les travaux des gens. Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, ce n'est pas impossible, mais il y a deux choses, à mon avis, qu'il faut savoir. Pour moi, et ça, je l'ai expliqué à chaque fois que je faisais un talk ou que j'ai discuté avec des gens. Si tu veux, il y a, je pense, maintenant, deux types d'artistes. Dans l'industrie, je veux dire. Je ne parle pas des artistes plastiques, mais je vais parler de ceux de l'industrie, donc en gros, ceux que tu trouves sur ArtStation. Tu as ce que j'appelle les artistes appliqués. Eux, en fait, la signification de ce qu'ils font ou la recherche de style est moins importante que la finalité de leur produit et de là où ils vont aller. Mmh. Et ça veut dire que quelqu'un pourrait se dire, dès ses jeunes études, je vais aller chez Blizzard. Et pour faire ça, la seule chose qu'il a à faire, c'est de travailler jusqu'à obtenir le style de Blizzard. Pourquoi Blizzard irait chercher quelqu'un d'autre ? Ou alors c'est dans des très très rares occasions. Et pour tout ça, enfin, je trouve ça tout à fait louable en fait, de faire ça. Il n'y a aucun souci. Mais c'est un type d'artiste. L'autre type est plutôt de chercher son propre style et on vient le chercher pour ce style-là. Et donc soit il a un large panel de styles et il peut remplir différentes commandes freelance, et ça c'est plus mon cas, soit il a un style tellement reconnaissable, tellement ouf, qu'on vient le chercher vraiment pour ça. C'est le cas de Sergei Kolesov, je ne vais pas écorcher son prénom, mais tu vois, il est tellement connu et son style est tellement reconnaissable, tu cliques, on sait que c'est lui, que lui on vient le chercher pour faire ça, on ne va pas aller lui dire « Oh bah maintenant tu pourrais faire du Blizzard s'il te plaît ». Et donc en fait on a ces deux types-là, ça s'influence, ça veut dire qu'il y en a, ben, il y a des proportions qui se font, s'il y a maintenant le marché asiatique qui s'ouvre, ils vont chercher une flopée de personnes qui font le même genre et le même style pour pouvoir inonder le marché mobile, et c'est très bien, mais voilà, il faut faire ce style-là, il n'y a aucune raison d'aller chercher un style différent. Ouais. Par contre, quand il y aura des phases de renouveau, donc des personnes et des boîtes qui vont chercher à créer des trucs qui n'existaient pas avant,
et souvent c'est par les indés, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé avec les indés, et bien là ils vont chercher des gens qui en gros avaient une patte qui peut les faire sortir du lot ou être différent de ce qui se fait, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas concurrencer des styles et des techniques qui sont maintenant devenues ancestrales ou juste avec des moyens astronomiques, tu vois. Ouais. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que ça rejoint d'ailleurs un avis que j'ai entendu il n'y a pas encore très longtemps, justement, d'un autre directeur artistique qui me disait la même chose, hein, qu'on retrouve de plus en plus une espèce de séparation entre deux profils de concept artistes différents. Et c'est marrant que tu en reparles. Donc bon, on verra dans le futur si effectivement les profils se posent de plus en plus, mais je pense que tu as complètement raison. Tout est en cycle, hein, de toute façon. Donc là, il faudrait juste qu'on regarde presque le cycle d'avant pour pouvoir savoir quel est notre futur dans quelques mois ou quelques années, même si les cycles s'accélèrent. Mais c'est très marrant de voir tous ces trucs-là. Ouais, je suis d'accord. Alors, si je ne me trompe pas, pour la suite des questions un peu plus tard, tu prévois de nous faire une petite démo, c'est ça, en même temps que tu réponds ? Ouais, tout à fait. Ok, alors, avant de faire ça, on va peut-être finir par les choses que tu auras besoin de nous partager, de nous montrer visuellement. Il y a deux choses qui me viennent, donc ce sont tes premières créations, hein, tes débuts, et l'autre chose, tu as peut-être aussi envie de nous parler de ce sur quoi tu travailles actuellement, et j'ai notamment en tête un certain projet de jeu vidéo. Ok, et ben on va commencer par le projet, comme ça, ça fera... Ou alors, non, attends, on va commencer par l'enfer. On va aller en enfer, et après on ira voir dans les futurs, comme ça je fais bon poids entre ce que je fais bien et ce que je fais pas bien. Ouais. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré le dossier old. J'ai créé le dossier l'enfer. le dossier, pardonnez-moi, et il y a trois cercles de l'enfer. Alors, attention, crochet haut les yeux. Du coup, là, j'ai réussi à déterrer des choses. Ah oui. J'ai pas tout, mais c'est vraiment, vraiment loin. Donc, vous allez pouvoir voir depuis mes débuts. Donc là, je dois avoir environ 16 ans. Et comme beaucoup, je copie mes mangas. Je regarde des mangas avec Samy. J'invente des nouvelles histoires. Mes parents ne comprennent rien du tout de ce que je fais. Ils croient que tous les personnages que je fais en manga, c'est Son Goku. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Au crayon sur des feuilles de papier, voilà. Ouais, et même encore les trous de classeur, avec des techniques de pro-tips parfaites, genre pro-tips, ne fais pas de bras, comme ça t'as pas besoin de faire ton deuxième bras, c'est pas mal ça à cet âge là Oh, t'as fait les pieds, hein, cela dit. Ouais, c'était un coup de chance. Avec des stylisations plus ou moins douteuses, et je faisais beaucoup d'acrylique, donc là c'est une vraie peinture, une peinture traditionnelle. Vous pouvez admirer le magnifique posing de ce personnage, qui est les lombaires pétés en même temps que les jambes. Il a des hanches un peu spéciales. Ouais. Ou voilà, la recherche d'une porte. Il y avait beaucoup de symbolique, hein, et tout ça était fait avec mes petits pinceaux autour de mes 17 ans. des trucs plus ou moins romantiques dans un style fantasy. Au secours, je vais tomber. Ah! Nous avons des systèmes de réalité qui étaient très différents. Donc je faisais acrylique, aquarelle, j'essayais de faire mes character design, des pirates, des guerriers, des couleurs flashy comme pas possible, et même des monstruosités comme celle-ci. Là, tuez-moi, au secours. Il y a quelques petits soucis. Quelques soucis anatomiques. Oh, léger, léger. Mais tu faisais déjà beaucoup de traditionnel, en tout cas. Hein. Tu faisais pas... Ouais. Là, en fait, moi, je ne connaissais pas du tout le painting digital. Quand je suis arrivé à Atelier de Sèvres, donc j'étais 100% truc tradi, quoi. Et même à Atelier de Sèvres, j'ai continué dans le tradi. Et je faisais de la peinture. Et quand je suis arrivé à Supinfocom, même le concours d'entrée de Supinfocom, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu avec 40 peintures. J'avais fait 20 fois une peinture d'un personnage qui sortait dans une ville. Enfin, c'était étape par étape, tu vois, comme une espèce de bande dessinée sur format raisin. Et j'avais refait exactement les mêmes peintures, mais avec des couleurs complètement différentes. Et c'était genre le show-off technique. Et après, on m'a dit, c'est super, hein, mais vous allez faire que du digital ici. Je fais, j'apprendrai. Mais bon, j'ai été pris, donc ça a quand même permis de me lancer. Ouais. Et justement, ça permet d'aller dans le deuxième cercle. Donc là, maintenant, c'est les débuts du digital. Alors attention, ça va piquer les yeux aussi. Donc vous pouvez voir des magnifiques décors faits
au doigt avec des trucs un peu fuzzy. Ah, c'est pour ça le rendu. Ah ouais, c'était. Tu sais. Mais non, même, si vous regardez de très très près, je pense qu'on peut voir qu'il y avait du crayon en dessous. C'était scanné et puis peint en digital. Okay. Donc, ça, ce sont tes tout premiers digital painting alors. Ah là, je crois que très honnêtement, si c'est, ça doit être dans les trois premiers que j'ai fait de toute ma vie. La première fois que j'ai ouvert Photoshop, créer des calques et tout ça. Celui-là, par exemple, je sais que je m'étais défoncé à essayer de tout faire super bien et tout. Et après, en fait, par libération de la technique, vous allez voir que j'ai eu des errances qui m'ont fait baisser de niveau. Donc, j'ai essayé des trucs avec des couleurs. Bon, j'essaie toujours de créer des personnages et des histoires cheloues. Donc, ça n'avait pas vraiment changé. Donc, ça, même ça, c'était un héros, alors que c'est une espèce de phasme bizarre. Sa copine, alors vous pouvez voir en plus des magnifiques saturations de couleurs. Alors, composition de ouf, hein, il partait dans tous les sens. Alors là, je comprends pas trop ce qui se passe autour, effectivement. On a quand même dans le chat quelques personnes qui disent qu'apparemment tu es en train de dégoûter 50% de l'audience malgré tout. Hein. Et tiens, d'ailleurs, il y a Jean-Charles. Quel âge tu as? Là, j'ai 32 ans. Voilà. Donc, tu as quand même quelques années de pratique derrière. Un peu de vieillesse. Donc voilà, je continue à avancer dans. Vas-y, continue, bien sûr. Mes vomis artistiques, voilà, des belles couleurs qui s'ajoutent à des compositions un peu oniriques, l'utilisation des outils de Photoshop en même temps. Ouais, t'as pas peur d'expérimenter, je trouve que c'est déjà là, on sent que c'est vachement personnel et super, super original. Ouais, bah tu vas voir, c'est par phase. Hein. ne t'avance pas. Les inspirations castlevaniesques. Avec, voilà, je faisais déjà en série, donc je reprenais le même personnage et je refaisais, je recréais. L'outil doigt a été un fléau hein, pendant longtemps parce que je faisais quasiment tout avec cet outil magique. Ce qui faisait des personnages très blurry avec des superbes effets et des couleurs magnifiques. Et pour toi, c'est un avantage de faire des créations justement en série? Ouais, moi je trouve que c'est vraiment. Enfin, c'est cool quoi, parce que t'as. D'abord, il y a une sorte de développement de ton univers, un développement de de comment tu veux travailler, de ce que tu veux créer. Ah, tu vois, par exemple, là, j'ai fait un test de sexiness, hein, tu vois, du haut de mes 21 ans, c'était super. Ah, interdit aux boobs. Ou là, voilà, un bon goût sur 20. C'était très beau. Je trouve qu'il y a un retour en arrière qui s'est fait, c'est étrange. Ah ouais, c'est vraiment très très bizarre. Mais tu sais, ça c'est justement, c'est le poids de la technique. C'est-à-dire que tu apprends une nouvelle technique, tu te dis, waouh, ouais, c'est génial. Et donc, moi, j'explorais à fond. Mais ça ne voulait pas dire que je faisais des trucs bien, tu vois, genre bienvenue à Moulande, c'était vraiment parfait. Ouais. Ou ce genre de monstre qui se cache dans des positions plutôt subjectives alors que c'était pas voulu. Ou des trucs où je passais un temps de dingue, hein, vraiment un temps de dingue sur ces dessins-là et que je me croyais vraiment genre au top. Et maintenant je regarde ça en me disant waouh. La catastrophe. Ah, ouais. On a tout ça de toute façon, hein, dès qu'on regarde. Ouais, bah, je vous avais dit que je trouvais du lourd, hein. Je n'ai pas menti. Mais on peut commencer à sentir quand même, notamment parce que j'avais des cours, que là, il y avait commencé à avoir voilà, des créations où la composition commençait à passer devant. Et c'est là où, en fait, je pense qu'il y a c'est là où le shift s'est fait pour moi, c'est quand j'ai pu réallier non seulement les compositions que j'apprenais en tradi, le côté digital et les avantages du digital et mes histoires. Quand les trois ont commencé à merger, on a commencé à progresser. Attention, ouais. Hashtag MeToo. Et tu vois, par exemple, ce dessin-là, c'est un que j'aime encore maintenant et que j'estime, genre, c'est des moments de grâce, tu vois, où par rapport au niveau que j'avais à l'époque, ben, celui-là a quand même encore beaucoup de sens. Ouais, il fonctionne. Sans que, tu vois, c'était ouf à l'époque. Quoi. Ouais. Et j'ai continué à créer des histoires, des séries, avec des compositions qui étaient quand même plus aérées. Là, j'utilisais le logiciel ArtRage, par exemple, qui était beaucoup plus proche de la peinture. C'est une sorte de Corel Painter, mais simplifié. Tu avais même genre, il fallait que tu trempes ton pinceau dans l'eau digitale pour pouvoir la nettoyer. Et ça me permettait d'exprimer en fait mes propres problèmes et mes angoisses, mais à travers mes histoires. Et plus j'avançais, plus je pouvais les représenter dans mes dessins. C'est ça qui était vraiment cool, quoi. Ouais. Et en même temps, j'ai aussi l'impression que tu vas de plus en plus vers simplement des formes simplifiées. Alors ça aussi, c'est vraiment par vague. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais à Supinfocom, on avait un professeur qui était très 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 dans la synthèse. Le premier cours qu'il nous a donné, c'était « vous allez nous dessiner un abécédaire d'animaux ». Et donc j'étais, moi j'étais venu pour faire des personnages badass avec des épées, donc c'était un peu compliqué. Et surtout que lui, il nous demandait de faire des poules, des phoques, des trucs comme ça, quoi. Et que avec des formes géométriques.
Et ça a pris beaucoup de temps, mais en fait, j'ai vraiment compris pourquoi ils nous faisaient ça. Il y avait vraiment des règles d'apprentissage et synthétisation que j'ai pas gardées tout le temps, mais qui en fait sont revenues au bout d'un moment. Et c'est là où ça a commencé à faire des déclics. Là, je vais vous montrer une troisième phase. C'est la phase où j'arrive à la fin de mes études et où je tombe dans un truc qui, à mon avis, va intéresser des gens qui sont sur le chat. C'est l'espèce de syndrome justement de j'ai voulu faire comme les autres. Et donc, c'est ce qui va créer la base de mon folio. Mais vous allez voir les errances et les problèmes que ça a amené. Donc, déjà, il y a cette série-là où c'est un peu genre sketchy, speed painting, fait à la va-vite, fait un peu comme les thumbnails maintenant qu'on demande à faire à tout le monde, que ce soit dans les écoles ou dans les trucs. Dans le style aller vite et faire brush, c'était bien. Et alors, c'était encore plus fort à l'époque. Hein. Il y avait une espèce de vague du speed paint. C'était genre tout le monde faisait speed paint, c'était Dieu, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est faux. Il faut surtout pas faire ça. C'est le speed paint, ça a une utilité et c'était une utilité industrielle à la base, de montrer vite des idées avec peu de moyens. Et en fait, ça, comme l'exercice a impressionné les gens, on a cru que c'était bien de le faire. Et je vous jure, quand moi je vous le raconte là de mes vieux 32 ans, c'était une époque où vraiment il fallait le faire. C'est-à-dire que c'était obligé. Si tu faisais pas des speed paint, t'étais moins bien. Mais tu sais que de mon humble avis, c'est quelque chose qui est toujours ancré aujourd'hui, hein. Moi, je le ressens sur digitalpainting.school, avec tous les élèves, les membres qui commencent à suivre les cours sur le site. La première leçon, souvent, que je suis obligé de rabâcher, c'est prenez votre temps. Vous n'êtes pas censé faire cette image en seulement 1 ou 2 heures. Bah Le c'est premier truc que je franchement rabâche, c'est prends ton temps. Tu débutes à peine, tu ne peux pas être efficace en moins de nombreuses heures sur une image. Donc, je pense que c'est quand même pas mal ancré, hein, effectivement, à force de voir des vidéos accélérées, des speed painting, etc. si tu veux, il y a je pense que ça vient avec l'insécurité naturelle qu'ont tous les artistes, et encore plus quand tu es un jeune artiste. Tu vois, là par exemple, j'avais fait des mises en planche de monstres qui n'avaient pas vraiment d'intérêt ensemble, mais ça me semblait bien. Je faisais des évolutions, donc c'était des personnages super chargés. Donc c'était déjà mieux hein, comparé au boost que vous aviez vu avant. C'était des niveaux qui étaient encore acceptables pour pouvoir commencer en termes professionnels et tout. Bon, après, il y avait toujours des errances horribles, hein, genre des fois avec une armure moche qui n'existait pas. Celle-là, elle est Mais bien chargée, ouais. ouais, elle est pas mal. Ouais. Mais j'étais hyper fier hein, de cette armure, il faut bien le savoir. Et voilà, ça continue dans les errances. Mais plus on est insécurisé, plus on essaie d'avoir des résultats vite pour se rassurer, s'entendre dire, que ce soit par nous, par nos pairs ou par des réseaux sociaux, que ouais, ce qu'on a fait, c'est bien. Mais le problème, c'est que pour faire vite, sans avoir digéré ce qui était déjà et tout, de faire ses propres erreurs et tout, on se retrouve à faire ben, des trucs plus que moyens. Et surtout à notre époque là où. Après, je sais plus quel âge tu as, toi, Gaëtan. Parce que je dis notre époque, mais en fait. Bah, je suis pas trop loin de toi, je suis à 29 maintenant. Ouais, donc on est, à mon avis, on peut quand même être dans la même génération. Où en gros, on voyait des gens faire des speed paint. C'est extrêmement fort, je prends Sparte hein, Sparte, voilà, comme je exemple. pense, ouais. Mais ces gars-là étaient déjà avec une expérience de malade. Ils avaient digéré et digéré. C'est pour ça qu'ils arrivaient à faire vite. Il y avait des moyens et des outils qui permettaient d'aller très rapidement. Et donc, on se disait, oh, bah, je peux aller aussi vite. Et j'ai tout intérêt à le faire. Et j'arrive à avoir des résultats. Et en fait, ça t'apprenait pas vraiment le reste. C'est-à-dire que tout ce qui était avancé. Et Exactement. donc, voilà, moi aussi, j'ai fait ce genre de grand paysage où tu as un personnage de dos, seul, devant des énormes couchers soleil et des trucs de sci-fi. Ou alors. A tous, on en a tous. Voilà, ce genre de trucs de sci-fi avec de l'organique, mais aussi des vaisseaux. Et oui, des réacteurs bleus. On a tous fait nos réacteurs bleus. Je lui dis oui, c'est très très bien. C'est très bien de faire les réacteurs bleus. Et quand je parlais des clichés dans lesquels on tombe, on est tous tombés dans ces clichés. Après, on peut s'en éloigner un petit peu. Il y a un peu d'âme quand même qui transparaît dans des designs et tout. Mais globalement, voilà, on reste dans les mêmes clichés. Moi, tous les trucs étaient bouchés au noir et c'était une catastrophe en termes de colorimétrie. Mais Donc ça s'apprend finalement, hein, au bout d'un moment. non, mais j'allais juste faire un commentaire comme quoi on passe tous par ces phases en fait. Ah Hein. bah On se c'est reconnaît dedans, je pense que les 3/4 des gens doivent se reconnaître dedans, peut-être pas dans toutes, mais dans au moins certaines de ces phases. Bon, c'est des erreurs qu'on a tous fait, quoi. Hein. C'est normal de passer par là. C'est bien, ça redonne espoir. ouais, après voilà, il y a quand même une évolution, la phase Ah, de là, ouais. travail, il y a toujours un truc. Bon, après on peut Plus passer sur bouché. des voilà, on fait des c'est moins bouché, mais on reste sur des clichés quand même. Tu vois, attention, j'arrive, des dragons. Oh non. Mais c'est globalement ce qui m'a amené à mes premières images
de Folio, en fait, et qui m'ont donné mes premiers jobs avec des indépendants ou avec des board games. Et le gros décrochage, donc ça, j'ai fini l'enfer, je repars, je m'en vais de l'enfer, adieu l'enfer. Ben, en tout cas, je redescends dans ArtStation pour vous montrer le dessin qui a fait le décrochage. Voilà, le dessin qui a vraiment, entre guillemets, fait décoller la carrière ou a fait le décrochage, c'est celui-là. Alors celui-là, il a une petite histoire aussi. En fait, quand j'ai pas le step by step, parce que c'était avant que je fasse des step by step, mais vous pouvez déjà voir qu'il y a des grandes forces en termes de stylisation et de forme géométrique. Le bouclier qui est 100% rond, le profil parfait, le corps qui tient en fait dans une forme assez simple. Ouais. En fait, c'est quand j'ai commencé ce dessin-là, je m'étais mis dans la tête que j'allais faire une association de ce que j'avais appris à l'école, de ce que j'avais appris techniquement pendant mes premières années de boulot, je pense qu'on est en 2013, là, et de ce que j'aime faire, les histoires que j'aime raconter. Et donc je suis vraiment parti de forme géométrique, je me suis poussé à aller dans des détails alors que je ne faisais jamais d'habitude. Et en fait, c'est ce dessin-là qui a vraiment commencé la série qui allait me lancer et me donner de la première reconnaissance sur mon folio et tout ça. Donc il y a pas mal de ces squelettes là, vous avez probablement déjà croisé. Si vous connaissez mon boulot, c'est un des trucs qui remonte le plus, c'est ces squelettes là. Ouais. Et que je garde, hein, j'aime pas le mot l'expression de la zone de confort, parce que je trouve ça absolument débile, mais en soi elle existe, mais moi j'appelle ça une zone de réconfort. Donc tu vois, ça c'est un travail beaucoup plus récent, qui doit maintenant avoir 2-3 ans presque. Ouais. C'est très beau. Ouais. Et ça reste en fait dans la même veine. Ouais, c'est-à-dire que dans les moments où je suis down, je ne sais plus, eh ben, je n'aime rien retourner dans cette zone où je suis à l'aise, je suis avec mes copains et squelettes, je suis avec mes histoires, avec mon univers. Et évidemment, ça peut évoluer techniquement et tout, mais en fait, l'âme qui est derrière ces dessins-là, elle n'a pas changé. Ouais, très beau travail. Et d'ailleurs, tu disais que c'était il y a à peu près, du coup, un peu plus de 5 ans que tu as commencé un petit peu à décoller niveau... Ouais, c'est ça, 5-6 ans, ouais, je dirais. Comment ça s'est passé? Alors, on t'a contacté sur des sites? En fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai quasiment, et même c'est un 100% presque, jamais eu de travail en postulant. On est venu me chercher à Spiders parce que j'avais fait un bon stage. On est venu me chercher à Gamelot parce que j'avais un folio qui a attiré le directeur artistique de l'époque, qui est d'ailleurs un de mes mentors, qui s'appelle Pascal Barret. Et même là, pour là où je suis maintenant, à Lightbulb Crew, on est venu me chercher aussi. Donc c'est vraiment une sorte de venu me chercher pour le style. Et en freelance, c'est pareil. Comme j'ai toujours eu une activité professionnelle à côté de mon truc freelance, je n'avais pas à démarcher purement et simplement pour trouver du travail. Ouais. Donc je pouvais, entre guillemets, choisir ou prendre tout ce qui me venait. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai commencé avec beaucoup d'indés. En fait, je choisissais des projets qui me semblaient cool et qui allaient pouvoir intégrer mon folio, et en même temps je faisais des prix qui étaient intéressants pour des indés, parce que j'avais pas besoin de ce freelance là pour vivre. Et quand j'ai fait un an pur de freelance après Gameloft, où j'avais vraiment je pouvais vivre que sur mon carnet d'adresses entre guillemets, là ça s'est emballé assez vite, parce que pour le coup je faisais le show off sur mon folio, j'avais déjà un bon réseau, le bouche à oreille est allé vite, j'ai commencé à travailler pour une petite boîte, puis ça est passé de bouche à oreille pour que je travaille pour Amplitude, puis j'ai été contacté puis par Unit, ça s'est pas fait, mais la seconde d'après j'ai été contacté par Blur. Donc il y a des sortes de vagues, quoi, on surfe sur le bon moment, et puis voilà, ça s'est un peu fait comme ça, quoi. Et moi j'ai toujours été après dans l'exploration, tu vois, que ce soit là avec des personnages qui sont en 3D, ça c'est quelque chose que j'ai fait il y a un an. Donc, j'avais pas retouché à la 3D depuis 2010, je dirais. Ouais. 2011, la fin des projets de fin d'études. Donc là, j'ai repris un peu les bases, recherché. Et en fait, même si techniquement j'étais très très en retard, tout le background et toute l'expérience que j'avais pu accumuler d'avant, ça ressort, même si le média a changé, quoi. Ouais, mais c'est très bien, t'anticipes une question justement qui a été posée au début du live et que j'allais te poser plus tard, qui était de savoir justement si tu faisais de la 3D. Et je suis surpris de voir que justement t'en fais aussi, alors que j'aurais jugé, juré que c'était le contraire. Non, j'en fais. Là en plus, j'ai un projet perso avec des amis aussi où je fais de la 3D, je peux pas le montrer là, mais
Je m'y suis remis pour deux raisons. La première, c'est que là, je suis donc en directeur artistique, donc je gère aussi une équipe de personnes. On va pouvoir faire le basculement d'ailleurs sur cette question-là. Tout à fait. Je gère une équipe de 10 personnes sur le projet qui s'appelle Otherside. Bon, hop. Bravo, bienvenue. Ah, Et parlons-en. donc, voilà, exactement. Du coup, ce qui fait que quand tu es directeur artistique, tu dois gérer des gens, tu n'es pas obligé de connaître à fond la technique qu'eux sont en train d'employer. Mais il y a une sorte de proximité qui se crée si au moins vous avez le même langage et vous savez de quoi vous parlez. Et moi, j'ai très vite vu, quand j'ai recommencé à travailler avec donc des caractères artistes que je salue, Christophe et Antoine, que la différence entre moi, ce que j'avais appris en 2009, et eux, ce qu'ils produisaient, il y avait voilà, un gap de ouf, non seulement techniquement, mais aussi dans les outils et tout ça. Donc moi, je me suis senti, non mais si je veux faire efficacement, il faut que je me remette à la page. Alors, je ne peux pas me remettre à la page sur tout, j'ai jamais été un très bon enviro artiste, que ce soit en 2D ou en 3D. En 2D, ça me prenait juste plus de temps, et en 3D, ce n'était pas un truc que je kiffais faire. Donc c'est sûr que j'aurais toujours un retard sur ça, mais par contre, sur les trucs où j'étais initialement bon, j'avais envie de pouvoir au moins être à niveau pour pas être dans un retard qui ferait que je donnais des mauvaises directions et tout. Ouais, c'est quand même important. Ouais, il y a un côté important quand même là-dedans, ne serait-ce que pas pour pas créer une sorte tu vois, de tour d'ivoire où tu donnes des directives et que ben, tu t'aperçois que oui, pour toi, ça t'a coûté un coup de brosse, pour eux, ça leur coûte 4 heures de travail. Et au moins, il faut que si tu sais que tu vas le faire ça, eh ben, tu le comprends pourquoi et tu l'assumes, quoi, d'une certaine façon. En tout cas, ça, c'est ma philosophie en tant que directeur artistique. Ouais, mais ça a du sens, effectivement. Et d'ailleurs, alors particulièrement pour un concept, pour un directeur artistique, pardon, mais est-ce que c'est aussi un conseil que tu donnerais justement pour des jeunes artistes qui vont pas forcément viser tout de suite un poste de DA, mais peut-être simplement de concept art? Est-ce que tu leur conseillerais aussi d'apprendre la 3D ou au moins de se pencher dessus, comme tu l'as dit, pour comprendre le fonctionnement et pouvoir mieux s'intégrer dans des projets? Ou est-ce que pour toi, on peut quand même s'en passer? Alors c'est une question difficile parce que pour moi, tu vois, il y a vraiment quand même des paliers donc entre le concept artiste et le junior concept artiste jusqu'au DA. Et en plus, bah, avec ces paliers, il y a des responsabilités qui viennent, que tu passes de concept artiste à concept artiste senior, à lead, à DA ou dire créatif. La première truc que je dirais, c'est que est-ce qu'on est obligé? Non. Parce que ma philosophie, c'est que l'important, c'est de raconter des histoires. Or, normalement, selon l'histoire que tu vas raconter, ce que tu vas essayer de dire ou d'exprimer, c'est le média en découle. Donc ça peut être oui, parce que c'est l'histoire que tu voulais raconter va nécessiter de la 3D, mais ce n'est pas du tout forcé si l'histoire que tu voulais raconter n'en avait pas du tout besoin. Après, on est aussi dans un monde et on s'inscrit dans une industrie, donc le monde évolue très vite et on est obligé de se tenir à la page. Si la mouvance complète fait que tout va 3 fois plus vite si on utilise de la 3D dans nos concepts, ou si on en a besoin pour pouvoir être bankable d'un point de vue industriel, il faut au moins se pencher dessus parce que c'est juste bah, connais ton terrain avant d'entrer dessus. Si tu commences maintenant en te disant je suis jeune, je vais peut-être faire une école, mais je suis persuadé que je ferai du concept art avec que du crayon et du papier pendant toute ma vie, il y a un moment où c'est juste là, tu ne connais pas ton terrain. Tu ne sais pas où est-ce que tu t'aventures et c'est un problème. Ça peut être louable, ça peut être la bonne façon et c'est peut-être ce que tu veux exprimer le plus. Mais attention parce que tu rentres dans un monde où en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ouais, et puis bon, quelque part, on est aussi mis en concurrence avec d'autres artistes qui, eux, auront peut-être justement ces outils dans leur boîte à outils et qui auront donc peut-être un léger avantage sur soi à niveau équivalent. Est-ce que c'est pas aussi un risque? Bah, la concurrence, elle est réelle. La concurrence, elle est partout. Et puis, elle s'est ouverte de ouf hein, depuis qu'il y a Internet. Je veux dire, moi, je suis complètement à la ramasse techniquement par rapport à des artistes asiatiques ou des pays de l'Est. Et on se retrouve à juste être moins rapide, pas forcément plus créatif et parfois moins bon. Mais il faut savoir connaître ses forces. Ses forces, ce n'est pas forcément de savoir tout faire bien, c'est de savoir faire ce qu'on aime parfaitement. Et de toute façon, à ce que ben, au bout d'un moment, il n'y a que toi qui sais faire ça, tu vois. Par contre, pour pouvoir savoir ce que toi tu aimes et qui tu es, si tu n'explores pas et que tu n'essayes pas de chercher un peu, au bout d'un moment, ben, tu vas vite être limité.
J'ai un excellent exemple qui vient de mon lycée. Donc pour le coup, ça remonte encore plus loin. Forcément, dans les cours d'art plastique à 17 ans, malgré les horreurs que vous avez pu voir, en fait, j'étais à un bon niveau par rapport à des camarades de classe et tout ça. On Et s'en doute. après, ouais, voilà. C'est qu'après, en arrivant en école d'art, que tu te fais, oh putain, en fait, je suis pas si bon que ça, je suis plutôt dans les merdes, il faut que je progresse et tout. Mais au lycée, bon, bah, t'es un peu, voilà, tu tiens un crayon, t'es roi du pétrole, tu vois. Et moi, j'étais très monotechnique. C'est-à-dire que je faisais, par exemple, à 17 ans, j'avais découvert l'encre de Chine, je faisais que de l'encre de Chine. Et ma voie était de faire, je ferai que l'encre de Chine jusqu'à la fin de ma vie. Et ma prof d'art plastique, qui est maintenant une amie avec qui je donne des cours d'art plastique aux plus jeunes, et elle est venue, elle s'est posée à côté de moi, elle fait, Alexandre, vous ferez de la peinture acrylique, je vais rester avec vous jusqu'à ce que vous fassiez de la peinture acrylique. Et donc elle est restée à côté de moi, ça a duré 1 heure et demie, jusqu'à ce qu'elle me force à prendre mes pinceaux et que je fasse de la peinture acrylique. Et après, j'ai fait de la peinture acrylique pendant des années sans jamais changer. Du coup, il y a cette curiosité naturelle que j'ai pas voulu avoir, probablement par crainte ou par confort de rester dans quelque chose que je maîtrisais, et donc je n'avais pas d'insécurité à tenter autre chose, que elle est venue casser, et je remercie de l'avoir cassée parce que j'ai pu me révéler quelque chose de meilleur. Là où moi je suis moins dans les mentorships qui sont un peu généralistes, où on va dire, il faudrait que tout le monde fasse des studies, il faudrait que tout le monde sorte de sa zone de confort, il faudrait que tout le monde utilise de la 3D. Par contre, je suis très dans trouver votre mentor et que c'est cette personne qui va vous accompagner. Alors, ça peut être un même mentor, donc un prof par exemple, pour des dizaines de personnes. Mais c'est bien d'avoir le côté un peu maître-élève qu'il y avait en fait à la Renaissance. Hein, on remonte, il y a eu des centaines d'années de la peinture qui ont été faites comme ça, mais qui se perd un peu. Qui se retrouvent généralement à un moment quand tu es plus avancé dans l'industrie, où tu as des DA qui sont justement détachés du dessin et qui vont pousser des jeunes à essayer de travailler leur dessin d'une certaine façon, leur donner une direction. Mais on a un gros creux dans un cycle où il y a beaucoup de cours en ligne, tu le sais toi-même, hein, bah oui, et c'est pas une critique sur ces cours en ligne, mais par contre, c'est vrai ça dématérialise un peu le côté. Proximité d'un maître et d'un élève, où un maître peut corriger et lui faire montrer comment lui il a pensé à fond pour que l'élève se dise, ah ok, vivement que moi aussi j'ai ma propre pensée pour être mon propre maître. Donc ça fait un peu philosophie de comptoir, mais en soi c'est un truc auquel je crois assez, tu vois, dans la différence de ce qui se fait dans le monde actuel en termes de concept. Je suis d'accord. Et de toute façon, avoir un suivi de quelqu'un de plus expérimenté, c'est plus que bénéfique. C'est vrai que c'est presque indispensable. De même que d'ailleurs pour moi, rechercher des critiques constructives de la part d'autres personnes, c'est tout aussi, selon moi, indispensable que d'avoir justement un mentor ou des cours pour gagner du temps. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, le fait de demander, des critiques objectives sur son travail? Alors, d'un Enfin, point de objectif, vue, entre guillemets, mais. ouais, voilà, oui, déjà, ça c'est sûr. Mais on est tous d'accord sur ça. Et puis l'objectivité Internet, c'est toujours compliqué. Même s'il y a beaucoup de bonne foi, il y a aussi beaucoup de mauvaise foi. Et C'est sûr. comme c'est un média où on est moins en face à face, des fois on se retrouve avec les insécurités personnelles du critiqueur qui en fait se balance sur ton travail alors que c'est pas le cas. Donc d'un point de vue vraiment purement empirique, je suis 100% d'accord. Parce que c'est difficile d'avancer seul. Et c'est très facile de se perdre quand on est seul. Par contre, moi, je suis quelqu'un où là, parce que c'est une phase dans laquelle je suis, de ma vieillesse de 32 ans, je trouve que c'est bien aussi de des fois se retrouver seul, confronté à toi et toi-même, devoir décider quand est-ce que ce dessin est fini, quand est-ce que tu estimes que c'est bien, quand est-ce que tu estimes que tu es allé au bout de ce que tu avais à faire, sans qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui puisse te le valider. Te l'invalider, te booster tes idées et tout ça. Après, il y a deux trucs qui sont très différents. La phase de progression, quand on est un artiste, où en fait on est un peu seul, on n'est pas dans une boîte, on n'est pas en train de créer un produit, on est en train de créer quelque chose pour soi-même, généralement son portfolio, et on est un peu obligé de se créer son entreprise, son réseau, qui vont nous donner de la critique et tout. Ce que je différencie énormément du moment où tu travailles, où tu es à partir du moment où en gros tu es un junior, où là, tu vas travailler souvent avec une équipe, et où pour moi, et ça a toujours été ma philosophie, s'il y a des gens de l'équipe qui sont dans le chat, ils pourront le confirmer, moi j'ai toujours, toujours mis le projet en premier.
Et donc, en fait, les égos, les personnes, les individualités disparaissent complètement. C'est à moi de les manager un peu, en tant que VA, mais en fait, on vise tous le même truc à la fin. La première chose que j'ai dit quand je suis arrivé à Lightbulb, c'était on ne fait pas un artbook, j'en ai rien à foutre qu'on ait des beaux dessins. Si le jeu est pourri, ça ne servait à rien du tout de bien dessiner. Ce qui fait que moi, je peux, et ça c'est une philosophie que j'ai appris de mon DA d'avant, et je peux prendre un dessin, repeindre dessus, si je estime qu'il faut le donner à quelqu'un d'autre pour pouvoir redessiner dessus, il n'y a aucun souci, parce qu'en fait, le but, c'est de travailler pour Otherside, c'est pas de travailler pour ni un développement purement personnel, ni faire les belles images de du folio de la personne, ni d'être une école et tout ça. Okay. Ça peut sembler un peu dur, tu vois, mais en fait... je pense que c'est une vraie étape qu'il faut avoir pour pouvoir grandir aussi en tant qu'artiste, de mettre l'ego de côté pour un projet qui est un peu plus grand. Ouais, ok, bonne leçon. Voilà, hein, parce qu'en fait, c'est des avis personnels. Hein. On prend ou on prend pas. Hein. c'est hyper intéressant, effectivement, de devoir détacher à complètement son ego de son travail, ce qui est une des choses les plus dures à faire. Honnêtement, c'est impossible. Mais tu peux créer un parapluie, quoi. Ouais, ouais. Non, mais je pense qu'il y en a quand même qui arrive très bien, là où, au contraire, surtout lorsqu'on débute, voilà, on met tout notre ego dans chaque création, c'est notre petit bébé, on n'ose pas le montrer, des fois tellement on a peur d'être jugé dessus, et c'est vrai que je pense que ça fait peut-être aussi un peu partie des phases de maturité dont tu parlais. Je pense que c'est aussi quelque chose qui tend à se développer avec le temps. Plus on mûrit et on développe son talent, moins on a peur des critiques quelque part, plus on s'en détache, plus on est capable aussi de laisser ses créations un peu voilà, suivre leurs propres objectifs sans que ce soit forcément pour son portfolio, pour sa petite personne, quoi. Ouais, je suis 100% d'accord. Et après, en plus, ça dépend beaucoup du profil de l'artiste. Parce que tu vois, moi, par exemple, je suis un gars assez angoissé par les critiques. Ce que mes amis disent quand ils se moquaient de moi et se gossaient, et ils disaient en fait, t'as 1000 commentaires positifs, t'en as un négatif et t'as envie d'aller te suicider en PLS dans un coin. Ouais. En fait, ça, je l'ai toujours traîné. D'abord parce que à Supinfocom, j'avais un groupe d'amis qui sont encore des amis, ils sont très chers et tout ça. Mais même dans l'école elle-même, c'était une école vraiment beaucoup, beaucoup sur la critique pour pouvoir avancer, mais aussi très dure. Et au bout d'un moment, moi, j'avais plus besoin de cette critique. Elle me faisait plus mal, elle me bloquait plus qu'elle me faisait avancer. Donc, j'avais dû détacher et commencer à créer mes œuvres pour moi, essayer de comprendre pourquoi j'étais moins satisfait. Parce qu'en gros, mon œil était plus avancé que ma main. Donc, il fallait que ma main rattrape mon esprit critique. Ouais. Puis, à un moment, ça commence à être balancé. Et puis, oui, comme tu dis, en vieillissant, bah, ton parapluie est plus épais. Donc, les critiques, ça rebondit dessus. On fait, oui, c'est gentil de me critiquer. Mais moi, je fais ça pour un truc un peu plus important que l'avis de X personnes sur un Internet. Et en fait, depuis que je fais ça, que je suis moins attaché à mes commentaires et tout, poster sur ArtStation, Facebook et tout ça, c'est vraiment plus que du show-off. Ouais. Ça fait toujours hyper plaisir hein, d'être apprécié, il faut pas mentir que sur ça, et d'avoir beaucoup de vues ou des trucs comme ça, et puis ça t'aide pour ton travail. Mais par contre, je suis plus dans une course à ça, j'en ai plus besoin. Ça se détache à part quand même. Quoi. Ouais, je comprends pas. Alors d'ailleurs, j'ai une question là qui est dans le chat qui est assez intéressante, qui est de Damien qui demande: est-ce que tu as un conseil pour un vieux de 37 ans qui commence? Et je vais te laisser répondre à cette question, je reviens dans 30 secondes. Ouais, ça marche. Alors Damien, le truc c'est que avoir 37 ans et commencer veut dire qu'en fait, il faut juste retenir le mot « tu commences ». L'âge, pour moi, ça ne vaut rien du tout. S'il y a bien une personne qui est un peu un exemple de ça, c'est un gars qui est extrêmement connu qui s'appelle Anthony Jones, Robot Pencil, où il explique lui-même qu'en gros, il avait commencé des études de plomberie avant de devenir artiste. Donc en fait, commencer à n'importe quel âge n'est pas un souci. La seule chose, c'est qu'il faut que tu saches à quel barreau de l'échelle tu es. Tu sais que tu commences. Donc si tu commences, ton folio est un niveau de gens qui sont en train de commencer. Tu peux par exemple pas espérer avoir un niveau salarial de quelqu'un qui va avoir travaillé déjà dans l'industrie depuis 6 ans et qui par tête n'a que 26 ans. Par contre, les mêmes règles s'appliquent. Il faut du travail. Il faut s'exercer, il faut apprendre des bases, il faut savoir aussi s'exprimer. Et c'est là où moi je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport aux personnes qui commencent dans l'industrie un peu plus tard, c'est que ces personnes ont un vécu qui est plus grand. À 37 ans, on est plus mature, normalement, ou en tout cas on a vu plus de choses que quand on a 18. Et donc même si
tu peux avoir des lacunes techniques pour pouvoir avancer là-dedans. Normalement, tu as un background personnel qui fait que tu as beaucoup plus de choses à raconter. Donc moi, mon conseil serait de évidemment de rattraper le côté technique, mais surtout de trouver le moyen de utiliser tout ce background personnel que tu as du haut de tes 37 ans pour en faire une force. Et en fait, quand tu vas émerger dans le milieu à ce moment-là, quand le background technique sera rattrapé, en fait, tu vas avoir des choses tellement plus intéressantes à raconter que tu peux très vite remonter les paliers. C'est la façon et c'est l'angle que je prendrais. Mais pour moi, et je pense pour les trois quarts des personnes de l'industrie, le plus important, c'est le folio. Donc, si on regarde même pas le CV au début, on regarde direct quasiment le folio. Et non, le CV a des avantages. Quand on a deux personnes qui se présentent, une qui se présente en tant que junior avec un excellent folio, une personne qui se présente en tant que senior avec un excellent folio, on peut se poser la question d'avoir un junior qu'on va faire grandir au sein de notre équipe, qui va être moins cher, qui va être peut-être plus malléable, qui va être plus à l'écoute qu'un senior rodé et tout, qui au contraire, par contre, peut amener une expérience et donc ce serait peut-être plus important. Donc c'est pas là est un facteur, mais c'est vraiment le facteur mineur. Si tu as un folio qui déchire, tu iras aussi vite qu'à quelqu'un qui a 12, 18 ans. Quoi. Voilà. Bah, merci d'avoir répondu à cette question durant ma courte absence. Alors on va peut-être se recentrer sur Otherside. Ouais. Donc là, je suis passé un petit peu sur des images. Ouais. Donc, Otherside, en fait, c'est le projet sur lequel je travaille avec l'équipe de Lightbulb Crew depuis à peu près un an et demi. On vient de signer avec l'éditeur Focus, donc j'ai moins le droit de montrer des choses que quand on était indépendant, mais c'est aussi un signe de succès du jeu qui est en train de grandir. Donc, c'est un tactical turn-based, donc c'est ce genre de jeu avec une grille où on bouge des personnages, et on essaye de se battre contre de terribles monstres qui vont essayer de vous attaquer. Et on dirige un groupe de personnages qui s'appelle les Daughters. Vous voyez là avec les trois classes disponibles et leur écharpe rouge. Et on se bat contre le Child qui est ici, qui est un enfant torturé qui modélise et recrée des monstres à partir de ses traumatismes. Et qui les envoie pour détruire la réalité. Et tu dois tout faire pour empêcher que ça arrive, parce que la dernière fois que j'ai vu ça aux infos, c'était pas terrible quand on détruit la réalité. Et du coup, c'est un jeu très dur, avec dur dans le sens noir et sombre, mais aussi dans le point de vue gameplay, où c'est très hardcore. Et on s'attelle à ce projet depuis, moi depuis un an et demi, et l'équipe depuis presque deux ans. Donc moi, je suis arrivé en fait à un moment qui était très différent, enfin très important dans ma vie, parce que je faisais un an que j'étais en freelance pur, parce que j'avais pris une année pour pouvoir m'occuper de ma fille qui venait de naître. Et quand Lightbulb est venu me chercher pour devenir directeur artistique, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la différence que j'allais avoir entre concept artiste et directeur artistique. J'avais entendu tellement de mes potes me dire que quand ils sont devenus directeurs artistiques, oh là là, ils n'avaient plus le temps de dessiner ni rien, que je savais et je m'étais tout de suite dit que j'allais être dans... il fallait que je me mette dans le mood d'un vrai changement. Donc si vous regardez le schéma qui est ici, ça c'est la proportion des choses que je vois quand on est un illustrateur, concept artiste, normalement, généralement, on va dire en freelance. Donc tu dessines énormément. Tu peux raconter beaucoup de choses, même si ce n'est pas forcément tes histoires. Tu peux inspirer des gens avec tes dessins, c'est même souvent le but. Tu peux un tout petit peu transmettre, si c'est par des écoles ou par des cours en ligne. Tu décides très peu, parce qu'en fait, souvent, c'est des décisions qui viennent d'au-dessus de toi. Mais globalement, tu crées. Et en fait, quand tu changes et que tu passes directeur artistique, vous voyez, les proportions, pour moi, ont complètement changé. Ouais. Le truc de raconter est devenu vraiment énorme, même s'il était déjà prépondérant, et surtout décider et transmettre ont explosé. Décider parce que énormément de choses qui sont dans le jeu là actuellement viennent d'idées que j'ai eues ou qui viennent de trucs très très personnels. La création du méchant qui vient d'histoires que moi, qui me sont propres, qui viennent de mon vécu, de mes propres maladies que j'ai eues ou les traumatismes que j'avais quand j'étais jeune. Mais aussi la décision de faire le noir et blanc, qui est le plus gros truc de la direction artistique d'Otherside. Bon, c'est quelque chose que j'avais déjà dans mon film de fin d'études. C'est un attachement personnel et c'est une décision que je pouvais prendre que je n'aurais pas eu si j'étais simple concept artiste. Et évidemment, transmettre, puisqu'on a directement une équipe.
avec qui on travaille, avec qui on discute tous les jours, et qui, ben, quand la connexion se fait bien, et ben, on essaie de leur apprendre le plus possible, et ils reprennent aussi le plus possible de ce que toi tu donnes. Et forcément, inspirer devient énorme, parce que non seulement tu dois inspirer les gens de ton équipe, mais le jeu lui-même peut avoir une répercussion beaucoup plus grande et toucher des gens dans plein de milieux. C'est sûr que dessiner devient beaucoup plus petit. Moi, ce que je fais maintenant en tant que directeur artistique, ça se rapproche de, des dessins comme là, très croquis, qui servent d'impulsion à la naissance du projet. Donc ça, c'est les deux tout premiers dessins que j'ai fait pour Otherside, où il y a déjà beaucoup de codes qui vont rester dans le jeu, les charpes rouges, la désaturation, les yeux jaunes, quelques formes très stylisées. Mais en termes de key art pur, c'est quasiment les seuls que j'ai produits. Bon, j'ai fait d'autres concepts, mais en dessin pur, je fais beaucoup moins qu'un concept d'artiste. Je passe plus mon temps à faire ça, c'est-à-dire prendre le dessin de quelqu'un et mettre des annotations, corriger, créer, un peu comme tu dois faire quand tu es prof. Sauf que la différence, c'est que je ne suis pas là que pour faire grandir la personne qui fait le dessin, je suis là pour que le projet lui-même grandisse aussi. Et des fois, voilà, je dois voir tellement de choses différentes que c'est vraiment des annotations de partout que je rebalance. C'est énormément de dialogue, donc il faut pouvoir discuter beaucoup avec les personnes avec qui on travaille. Évidemment, ce que je dis là, c'est très personnel. Tous les directeurs artistiques ne marchent pas de la même façon. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Je sais que j'avais moins dessiné et je voulais faire dessiner les gens qui étaient dans mon équipe. Moi, je travaille plutôt à des trucs comme ça, c'est-à-dire des faux screens de à quoi va ressembler le jeu, est-ce que je vais avoir des effets de blur à tel moment, comment lui réagit quand je clique sur tel bouton, et je fais des annotations et je fais des réunions pour pouvoir prouver ces concepts-là, les appliquer ensuite à l'équipe artistique, à l'équipe UI, à l'équipe du code, vérifier qu'avec les game designers ça se passe bien, qu'on est tous d'accord sur la même longueur d'onde, donc que ça soit le projet en gros qui avance tous ensemble, quoi. Tiens, j'ai juste une question là, qui est en rapport direct avec ce que tu dis. Est-ce qu'on peut être directeur artistique en moins de 10 ans de métier? Oui, je suis à 8 ans. Donc oui, on peut. En fait, c'est pour ça qu'il y a le chiffre palier de toute façon. Non, mais c'est extrêmement dépendant. Il y a une espèce de code de tu es junior jusqu'à ta troisième année, puis tu es senior à partir de 5, puis après tu peux passer des paliers selon ton management et tout ça. Ça dépend énormément des boîtes. Maintenant, les cartes en plus sont complètement rebalancées avec les indépendants, où des fois ben, les équipes sont tellement réduites, où tu as un graphiste, ben, il devient forcément le directeur artistique. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu n'es pas le DA parce que c'est un jeu plus petit? Non, il y a des DA excellentes avec toutes des équipes. Donc c'est très très différent. Et puis en plus, le métier lui-même de directeur artistique est beaucoup bougé. Il y aura un cycle et ça reviendra à de la DA un peu à l'ancienne comme je fais. Mais on a de plus en plus de DA qui sont en fait des lead artistes. Et ils produisent même parfois dans l'équipe. On a des groupes qui sont tellement grands, des studios qui sont tellement grands qu'en fait on a des DA dire créa qui sont tout en haut. Et ils répercutent sur des lead artistes qui s'occupent d'un pôle dans leur jeu, qui deviennent en fait des mini DA d'une section du jeu. Donc même le métier de directeur artistique est assez différent et c'est un peu chacun sa vision. Et d'ailleurs c'est peut-être mieux parce qu'il vaut mieux pouvoir insuffler une âme dans une DA, il faut que la personne transparaisse à travers la DA elle-même. Tu vois. Ouais, je comprends. Mais du coup, alors toi, alors, on a bien compris que tu fais beaucoup finalement de travail pour inspirer, beaucoup de réunions, des paint-over, etc. Ouais. Mais est-ce que tu as quand même créé des concept art pour le jeu? Vraiment? Oui, il y en a certains que j'ai qui sont purs. Mais tu vois, de certains monstres et tout. Mais comme je disais, ce que je voulais vraiment, c'était non pas de venir et imposer des designs, c'était soit de mettre la première étincelle et de laisser le brasier à d'autres personnes, parce qu'en plus, elles peuvent injecter d'autres choses. Et c'est d'ailleurs le truc le plus important de DA, c'est qu'en fait, tu es un RH au carré, quoi. Tu dois gérer les problèmes qui viennent au-dessus de toi, les problèmes qui viennent en dessous de toi. Et en plus, comme tu es dans une équipe artistique, on a tous des égos, des névroses qui sont beaucoup plus exacerbées que chez des comptables, même si j'ai rien contre les comptables, mais c'est juste la réalité, tu vois. Et t'es un peu une sorte de clé de voûte au milieu de tout ça. Et moi, je m'étais vraiment mis dans l'optique que j'avais vraiment pas dessiné pour ce projet-là. Je ne serais content que quand le projet sera sorti, qu'il aura ses bonnes retombées et qu'on dira « waouh, c'était très beau ». Et de toute façon,
C'est ça qui est vraiment ouf dans la, enfin, en tout cas dans la DA que, telle que je le fais, c'est que je l'assume, moi je n'ai rien fait, ou quasiment rien fait. Et pourtant, quand je montre des dessins, quand je montre les concept arts, comme tous les ceux que vous avez vus là sur Otherside, il n'y en a aucun de moi. Mais il y a plein de gens qui me disent, ah bah t'as fait tous les concept arts du jeu. Et en fait, c'est ça où je trouve que c'est là où il y a une sorte de preuve que c'est la bonne façon de faire. C'est que j'ai tellement poussé la direction elle-même plutôt que le côté artistique, qu'en fait les gens se sont nourris de ce que moi je voulais raconter, et en fait on a raconté la même histoire tous ensemble. Et donc c'est pour ça que je continue à dire que ne pas dessiner quand tu es un DA, c'est pas une fatalité. Il faut le savoir que ça peut arriver, mais qu'il faut que tu te donnes d'autres objectifs qui sont forcément différents, hein, qui sont pas. Tu auras moins le show-off dans. Je ne sais même pas ce que je vais pouvoir mettre dans mon folio, par exemple. Après, je vais pouvoir mettre une ligne de CV, mais en fait, il y a très peu de choses que j'ai dessinées purement moi-même dans ce projet. Et c'est quelque Donc. chose qui te plaît plus aujourd'hui, justement, de moins dessiner, de plus créer via ton équipe, finalement? Je t'avoue que je ne sais même pas si je peux répondre tant que je n'ai pas fini le projet. Je dirais que oui, parce que j'ai eu des moments là de. D'hésitation où je me disais, mais est-ce que je devrais pas couper un peu aussi tout le côté de pression, tu vois, que tu as quand tu es à cette place-là et des problèmes et tout pour juste revenir à un truc plus simple où tu es devant une tablette et tu dessines et on te donne ce que tu as à faire et tu fais le mieux possible. Et là, récemment, je pense déjà avec la signature, mais aussi parce que le projet avance bien, qu'il y a des premières retombées très positives sur la DA, je me dis, non, mais j'ai quand même là, je réussis à raconter un truc qui est quand même très personnel. Même si c'est via les personnalités de plein de personnes, et que c'est pas 100% un truc qui a été créé de rien hein, quand je suis arrivé. Mais j'ai assez amené de choses, et vu que ma philosophie c'était de raconter des histoires, si là ben, je réussis à raconter à travers un projet que j'aurais pas pu faire tout seul, mais qu'il y a une équipe, si on raconte une histoire qui en fait est un peu la mienne, je serais hyper content. Et donc, je pense que c'est la carrière vers laquelle j'ai envie d'aller jusqu'au bout, tu vois. Après, où, comment et tout, je pense que Lightbulb, je vais faire un bon bout de chemin parce que tant qu'on me donne la liberté, tu vois, de pouvoir exprimer comme ça, j'ai aucun intérêt à aller autre part, tu vois. Je veux pas retourner. Je peux avoir plein d'offres dans des trucs de mobile et tout, mais ça, je sais que ça reviendra avec des contraintes et des éditos que je ne contrôlerai pas. Alors que là, si j'ai pas une carte blanche, parce qu'on n'a jamais une carte blanche, mais elle est assez gris clair pour que je m'exprime comme je veux, quoi. Donc vraiment, je pense que je vais rester dans la carrière de DA, en tout cas. Après, voilà, DA ou dire créatif, c'est bien aussi, tu vois. En tout cas, bah déjà, bravo pour ce beau travail. J'espère en tout cas que le jeu sera un succès. Bravo l'équipe, moi j'ai rien fait. J'ai choisi les couleurs du jeu. Ah, il n'y en a que deux. Ah, bien joué. C'est ça qui est trop bien. Non mais voilà, c'est sûr que c'est vraiment aussi le travail d'équipe. Hein. Moi tout seul, il n'y aurait rien du tout dans ce jeu. Donc s'il y a bien des gens à féliciter, c'est eux. Moi, je ne fais que blablater tous les jours, quoi. Bah, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, hein. Oui, c'est sûr que celui qui se tape les 5 heures de réu, il est fatigué à la fin, mais
Alors, est-ce que tu veux passer en mode démo? Exactement. C'est pour ça que j'ai fait un petit tour sur ma. Pour vous revoyez ma super tête. Hey! Hey, Mais bye-bye. avant de retourner, juste pour charger Photoshop, m'assurer que ça marche aussi. Parce que, un, s'il y avait des problèmes de micro, on pourrait avoir des problèmes de tablette. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà été bien gâtés. Alors pendant ce temps, moi j'ai une question pour toi qui est d'Adrien. Est-ce que en tant que DA, quand tu regardes des portfolios de niveau junior, quelles sont les qualités importantes que tu estimes indispensables? Alors, il y en a deux, mais elles dépendent, enfin la proportion entre les deux dépend de mon besoin. La première, celle que je mets en numéro 1, c'est est-ce qu'il y a un peu d'âme dans ce qu'a fait le junior? C'est-à-dire, est-ce que c'est que des choses que j'ai déjà vues et qui sont en gros des ressacés d'apprentissage ou de cours online et que voilà, ça peut être moins important si j'étais en train de chercher une DA précise ou si j'étais en train d'essayer de m'inspirer moi-même par la personne que je voudrais faire venir. Et la deuxième, c'est le côté professionnel, c'est-à-dire un certain nombre de quand même de concepts, que c'est bien, que c'est comment dire, mis en, c'est pas une question de mise en page, mais ça fait pro, on sent que c'est que c'est fait une façon de qualité, c'est tout bête, mais aussi le CV bien présenté, sans fioriture, hein, mais voilà, sorte d'honnêteté dans la lettre de motivation, des trucs comme ça. Donc ça a l'air d'être des à côté. Mais selon le besoin que j'ai, si je suis dans l'urgence et que j'ai quelqu'un qui va devoir abattre des images d'illustration sans relâche, j'ai besoin de quelqu'un qui va être efficace et professionnel et qui peut le prouver par son folio. Si j'ai besoin de quelqu'un qui va être dans la recherche, j'ai besoin de quelque chose qui sort un peu du lot et qui n'est pas genre la base de tout ce qu'on a depuis des dizaines d'années, quoi. Ou je pourrais juste. J'aime pas en fait les personnes où je me dis, bon ben oui, je pourrais prendre lui ou lui, c'est interchangeable. Ça veut dire que ben. Il y a une sorte de malhonnêteté, tu vois, dans pas dans leur démarche à eux, parce que souvent on n'y peut rien, mais dans mon process à moi, quoi. En tout cas, je vous remercie au passage. Vous êtes vraiment, vraiment géniaux. Je vois que ça participe. Vous posez des questions. Donc, j'essaie d'en glisser de temps en temps dans l'interview. J'en ai marqué d'autres sur le côté. Donc, je vais essayer de faire répondre un maximum de questions à Alexandre. Merci. Je vois que vous me répondez. OK. Donc, tout se passe toujours bien. Espérons qu'Alexandre va réussir à revenir et que ça marchera. Ce serait quand même assez cool d'avoir une démo de sa part. Surtout que, si je ne dis pas de bêtises, il a un. Justement, il n'a pas qu'un seul processus de travail. Il en a vraiment plusieurs. Ça se voit un petit peu d'ailleurs dans ce workstation, si vous allez voir. Des fois, alors voilà. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Alexandre. J'étais en train d'expliquer que justement, tu es capable de commencer une création de plein de manières différentes. Je sais que tu n'as pas un process, mais que tu en as plein différents. Et d'ailleurs, je vais peut-être te laisser la parole maintenant pour Ouais, bah expliquer. ça tombe bien puisque c'est exactement un process chelou que je vais montrer là. Donc oui, Ouais, effectivement, ouais. j'adore en fait commencer de façon différente, même si en fait c'est des grands principes qui reviennent. En gros, il y a les dessins définis, et donc je sais que je vais faire tel truc, je sais que je vais dessiner tel élément, donc je peux partir d'un croquis. Il y a des dessins exploratoires mais orientés, donc je sais que il y a cette DA à suivre, qu'il faut que je dessine ce perso. Et donc là, je peux partir soit directement en peinture, soit juste avec les bonnes couleurs, soit avec des taches, mais je sais que ça va aller vers quelque chose. Et il y a les techniques telles que celles qu'on va présenter ici. Donc là, ce que vous voyez, c'est un magnifique dessin de ma fille de 2 ans. Et outre ses énormes talents artistiques au niveau des couleurs et tout, c'est un petit peu abstrait. Donc on va essayer de trouver quelque chose là-dedans. Un peu. Donc ça, c'est ce que j'appelle la technique du chaos. Donc en fait, c'est sans filet, hein, donc ça, peut-être qu'il y aura que de la merde à la fin de la démo, mais je promets que je finirai au moins le dessin après en faisant quelque chose de cool. Mais ce que j'aime bien avec ces techniques-là, c'est qu'en fait, c'est un peu comme regarder les nuages, quoi. Tu vois, toi tu vois un lapin, toi tu vois un chien, ben moi j'essaie de trouver un truc là-dedans. Et très vite, en fait, il va y avoir une histoire qui va se créer. Et puis c'est ça qui est assez marrant parce que faites-vous une impression mentale de l'état du dessin tel qu'il est maintenant. Et puis, on va voir, moi, où ça va l'amener. Et puis, on va voir si c'est ce que vous aviez pensé aussi, ou si vous avez vu autre chose à la base. Et donc là, je vais commencer hyper simplement en barbouillant, juste déjà compléter, parce que forcément, on ne pouvait pas aller jusqu'au bout, hein, de la feuille. Donc, j'ai fallu que je fasse une photo à l'arrache. Donc, je vais juste définir mon cadre. Ouais. Et puis je vais commencer en fait à creuser dans ces formes-là jusqu'à ce que je vois quelque chose. Puis n'hésitez pas à poser les questions en même temps, parce que je n'ai pas de souci à répondre en même temps que ça dessine.
Alors, de toute manière, moi, il faut que je fasse un peu de tri parce que, bah, comme à chaque interview, on est parti un petit peu dans tous les sens. Et puis, j'ai Ouais. mis ça avec des questions du chat. Donc, il faut que je fasse un peu de tri. Mais en tout, j'en avais préparé, je crois, pas loin d'une cinquantaine, non, quarantaine. Donc, t'inquiète pas, tu vas pas t'ennuyer pendant que tu peins. Il n'y a pas de souci, c'est parti. Alors, tiens, il y a une question intéressante derrière. Il y a Sian qui nous demande si tu as fait ça pour le jeu. Donc, je pense qu'il parle de ce process où tu es parti d'une peinture de ta fille. Enfin, je pense. Alors, je suis pas parti. Non, j'ai pas fait ça pour le jeu. Parce que d'abord, quand je suis arrivé, donc il y avait un début de cadre, si tu veux, pour Otherside, qui s'appelait pas Otherside d'ailleurs, quand je suis arrivé. La seule chose, c'est qu'en fait, très vite, quand je suis arrivé, la mission qu'on m'a donnée, c'était il faut que tu trouves une DA pour Otherside, qui est le sort du lot des autres tactical turn-based, donc XCOM et autres trucs comme ça. Et il faudrait que ça commence à donner une sorte de patte à Lightbulb Crew, donc à la boîte elle-même. Et donc pour faire ça, donc j'ai regardé ce qui avait été fait jusque-là. Il y avait des grandes qualités sur ce qui avait été créé. Mais si tu veux, tous les leviers étaient poussés qu'à 50%. Il y avait un peu de dark, mais c'était des loups-garous et des trucs un peu. Timide. Ouais, voilà, exactement, une timidité. Et donc, moi, en fait, j'ai pris tous les leviers et j'ai fait à fond. Alors, vous vouliez faire un peu de désaturé, noir, blanc et rouge. Vous vouliez faire des monstres un petit peu inspirés des légendes et de Cthulhu. On fait que des monstres psychologiques qui viennent de la torture de nos esprits d'artistes et tout ça. Ah ouais, donc tu as eu un impact, même pas uniquement sur finalement l'aspect visuel, mais même sur des choix alors de personnages, de monstres, de créatures, voire de storytelling dans le jeu alors. Ah oui, là, énormément, une énorme partie du lore a été créée, enfin j'ai participé, mais ou créé dans le lore lui-même, tu vois. Quand je disais par exemple que le méchant, le Child, il est inspiré d'événements de ma vie, il faut savoir qu'en fait quand j'avais 18 ans, j'ai eu une maladie assez rare, sanguine, qui a fait que j'étais contraint à être allongé pendant presque 2 trimestres, tu vois, ou à cause de grosses douleurs et tout. Et d'une certaine façon, c'est l'art qui m'a aidé parce qu'à partir d'un certain moment, je pouvais résister un peu plus. Et donc, on m'asseyait le matin devant le chevalet, on mettait les pinceaux dans les mains et je peignais un petit peu. Parce que sinon, j'étais genre allongé et je pouvais pas bouger, tu vois. C'était vraiment très, très, très douloureux. Et notre méchant, le Child, en fait, c'est un gamin qui a contracté une maladie, la peste, tout simplement. Sauf que. Il est renforcé plus il souffre. Donc plus il a la peste qui lui afflige des douleurs, plus en fait il devient immortel et résistant à cette peste. Donc c'est un cycle. Et en fait, il a en plus été enfermé dans une cave. Donc il était immobilisé, entre guillemets. Et par ses créations de modelage avec de l'argile, eh ben, il va commencer à inventer un monde et créer des petits monstres et des créatures qui vont devenir les monstres du jeu. Donc tu vois le parallélisme, même s'il est lointain, parce que je n'ai pas été enfermé par un diacre dans une cave, mais et je ne considère pas mes parents comme des tortionnaires. Il y a quand même voilà, une sorte d'inspiration générale autour de ça. Et comme moi, j'ai énormément d'attachement à signification derrière les jeux. Je suis beaucoup plus attaché à des jeux à la Dark Souls ou Nier Automata, Silent Hill, où tu vois, il y a une sorte de message derrière le jeu et un quatrième mur qui se brise. Ben, c'est ce que je voulais faire aussi dans Otherside. Donc il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup dans les créatures qu'on a faites, avec les concepts artistes, hein, en écoutant leur propre névrose aussi, ou en se nourrissant de ce qu'ils donnaient. Donc soit ils se projetaient dans ce que je racontais, soit ils transposaient leurs propres trucs. On a fait des monstres, voilà, qui clairement, si tu regardes de plus près, oui, il y a des trucs phalliques, il y a des frustrations, et c'est pour ça que ces personnages ont des gros muscles. Il y a beaucoup de choses très très psychologiques en fait dedans, cette sorte de test de Rorschach de leur DA à l'intérieur du projet. Donc c'est assez marrant. C'est marrant que tu en parles justement parce qu'une des toutes premières questions lorsque tu montrais ton portfolio, qui avait été posée par un des spectateurs, je sais plus qui, désolé, c'était est-ce que tu aimes Dark Souls? Donc Ah c'est ouais. bien, tu as répondu et c'est vrai que effectivement. Ouais, Dark Souls. Bah, en fait, s'il y avait eu une boîte où j'aurais voulu travailler, c'était From Software. J'ai touché du doigt parce que j'étais allé dans les phases finales d'un entretien de concept art. Et puis, ben, que ce soit le niveau ou je pense que c'était le fait que j'étais en France et le voyage au Japon avec une famille et tout, ça s'est pas fait. Mais ça a été un peu mon vol d'Icare, tu vois. Où en gros, j'aurais vraiment, vraiment voulu travailler dans cette boîte si j'avais pu.
Là, si je suis fatigué ce soir, et c'est pour ça que je blablate en étant un petit peu nauséeux et machin, c'est un, parce que j'ai une fille de 2 ans, 2, parce que j'ai mon fils de 1 mois qui est né il n'y a pas longtemps, et 3, parce que je joue à Sekiro. Et là, ça, c'est vraiment, vraiment très, très dur, et parce que j'adore les jeux From Software. C'est vraiment, je trouve que c'est les artistes de cette époque. Nier Automata aussi, mais... Ah, celui-là, je connais pas. Ça, c'est vraiment, vraiment c'est des bijoux, quoi. C'est des bijoux. Alors, j'ai une autre question qui me vient. Selon toi, comment doit être un bon DA avec son équipe ou les artistes freelance avec qui il travaille? Est-ce qu'il doit être très, très directeur? Est-ce qu'il doit au contraire laisser beaucoup de liberté? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Bah, c'est dur de répondre dans le sens où, comme je t'ai dit, je pense qu'il y a autant de DA différents qu'il y a de directeurs artistiques différents. Je pense que c'est l'important, c'est que si le DA est focalisé sur le projet, à un moment donné, tu vois, ça va donner sens. Il va y avoir une transmission qui se fera. Soit c'est juste parce que l'artiste n'est pas adapté à la façon de faire du DA et donc ben, il y aura une guerre d'ego et que ça peut poser des problèmes. Mais quand tu es honnête avec toi-même en tant que DA et que tu sais que tu fais ça pour le projet et forcément, ça fait partie de tes goûts personnels parce que tu insuffles un peu de toi dans le projet lui-même. Les artistes vont commencer à te suivre. Si en plus tu gagnes un peu de leur respect parce que ben, t'es proche d'eux, tu sais les comprendre, tu sais quand il faut leur laisser la main ou leur faire confiance, hein, tout simplement. Moi, je suis pas trop dans une sorte de truc collégial où chacun devrait enfin, une voix et que tout le monde a la voix qui compte. Pareil. Par contre, je suis assez dans le... ben, tout le monde peut venir nourrir les personnes qui ont la vision, et c'est à ceux qui ont la vision d'avoir l'intelligence de reconnaître que, ah ouais, ça c'était une bonne idée. Et moi, très souvent, ce qui arrive avec les artistes de mon équipe, hein, ou des fois où je leur dis justement, bon, écoutez, proposez, je sais pas. Mais par contre, je me tapis dans l'ombre, avec un peu genre la charte, tu vois, dans ma tête de qu'est-ce qu'il faudrait pour le jeu, et je saute sur l'occasion dès que je dis, ah, stop, ça c'est très bien, hop, on prend ça. Ouais. Et ça arrivait plein de fois, que ce soit avec Sébastien, le concept artiste, ou avec les caractères modeleurs, avec Marine en enviro et en key art. Il y a vraiment c'est ce genre d'échange que moi j'aime bien. Alors après, je ne connais que ma vision. Hein. Eux diront au final si c'était si j'étais un tortionnaire ou si j'étais j'imposais trop ou je laissais pas assez de liberté, mais... En tout cas, moi, j'essaye juste d'être honnête. Je sais que je fais ça pour le projet lui-même, donc je sens pas trop de culpabilité par rapport à ça, tu vois. Voilà. Est-ce que tu pourrais bosser sur un projet ou même sur des créations personnelles qui ne soient pas dans un style aussi dark? Est-ce que ça t'est arrivé? Ouais, ça m'est arrivé. C'est sûr que c'est pas ce que je préfère, et si je pouvais, je me concentrerais que sur les domaines que j'aime. Mais quand j'étais à Gameloft qui est dans le mobile. Vous pouvez m'imaginer en train de travailler sur L'Âge de Glace et Disney Magic Kingdom. c'était autre chose, quoi. Ou des trucs de poney, fin. Mais après, c'est pas inintéressant, hein. L'avantage que j'avais quand j'étais à Gameloft et que j'étais à la place de concept artiste, c'est que moi je venais du cinématique artiste avec une soif de je veux faire que le dessin soit ce que je fais tout le temps. Et en gros, à Gameloft, on m'a offert ça. On m'a offert pour un bon salaire de je vais avoir 10 heures par jour de dessin non-stop. Donc je changeais de sujet constamment. Je passais des gladiateurs romains à petits poneys, à trucs de l'âge de glace, à la guerre de 100 ans en mode ultra dark, à la guerre réaliste. Et, oh, je pouvais changer 3 fois par jour de sujet. Mais par contre, ça m'a donné pour le coup, quand même, de background de dessin assez balèze, dans le sens où je pouvais être assez efficace pour switcher, et j'avais une abnégation complète en mode ah ok, bon bah ça change, j'y vais, tu vois, ah faut faire des zombies aujourd'hui, hop, on passe en mode zombie, hier j'étais en mode chevalier, c'est pas grave. Et par contre, ça, moi j'étais juste content, j'avais pendant très longtemps quand j'étais à Spider, je voulais être DA et j'avais une sorte de soif, genre un jour je ferai mes propres histoires, un jour je serai le meilleur dresseur, et puis quand je suis arrivé à Gameloft, que j'ai eu un DA que je respectais, c'est pour ça que je parle encore de mentorship, il était vraiment un mentor pour moi et on se retrouvait sur plein de choses, et que j'ai vu que j'allais dessiner en fait sans m'arrêter,
je me suis dit, non, mais en fait, je m'en fous, là, de DA, je veux juste dessiner. Et j'ai fait que ça pendant presque 2 ans. Et bah, la dernière année, ça a évolué vers devenir lead de l'équipe artistique, sous le DA toujours. Mais il y a eu le rachat avec par Vivendi, Bolloré. Et donc, il y a plein de têtes qui sont descendues. Il y a eu des départs, notamment ce DA. Et donc, je suis passé de lead artiste qui devait gérer une équipe de 7 personnes à ben, je devais faire des retours aux 5000 personnes du groupe Monde, quoi. Sans en plus avoir les responsabilités qui permettaient de choisir. Donc, j'étais un peu OK, là, ça devient vraiment difficile. Et comme j'aimais bien faire tout en même temps, ma fille est née prématurément à ce moment-là. Ouais. Donc ça commençait à faire vraiment beaucoup et je me suis dit non mais en fait il y a un moment est-ce que là je vais au travail en me disant je crée des choses cool et j'ai envie de les créer et j'ai envie de porter des projets et je raconte des histoires ou est-ce que je vais au travail parce qu'il faut que je vais au travail et que j'en reviens exténué et même très atteint, tu vois, il y avait même des soucis dans l'équipe, tu vois, donc c'était pas facile et résultat au bout d'un moment je fais non mais s'il y a un jour où je dois écrire égoïste, ça va être maintenant. Et j'ai fait, je vais y aller. Donc j'ai tout quitté, je suis parti en freelance. Et comment tu as géré cette prise de risque? Parce que c'est quand même, je pense que c'est pas non plus un choix facile. Bah écoute, l'avantage que j'ai, c'est qu'on est deux. Donc j'avais ma femme qui travaillait, donc il y avait une sorte de sécurité. Ensuite, j'avais toujours eu mon activité freelance en parallèle. Donc il y avait... qui n'était pas à un niveau où j'aurais pu en vivre quand j'avais un CDI à côté, mais parce que je n'étais pas full-time. Donc par projection, je me suis dit, OK, si je remplis vraiment le carnet de commandes, normalement, je devrais être bon, tu vois. Je devrais pouvoir travailler à temps plein, avoir assez d'argent. Et puis ça, au final, j'ai fait ça un an et j'avais gagné autant que cette année-là. C'était genre... Victoire. Ouais, ouais. Par contre, j'ai jamais autant bossé que cette année-là. Ça, c'était un peu moins victoire, tu vois. Ouais. Parce que t'as jamais de moment qui t'en... Enfin, il n'y a pas de personne pour te dire « Non, mais c'est bon, il faut arrêter de travailler. » À part ta chère et tendre qui, elle, sait te dire « Stop, mais toi, tu vois, quand tu fais un dessin, quoi. Ouais. » Et toi, alors, par exemple, tu préfères travailler alors dans un studio en tant que salarié plutôt que d'être indépendant à temps plein? Ouais, honnêtement, là, l'un dans l'autre, ouais. Il y a des gros avantages de... d'être que exécutant. Bon, après, tu peux être exécutant dans une boîte, hein, mais de pas subir en fait une sorte de pression, que ce soit pas une pression sociale, mais enfin ouais, de relations sociales en tout cas, et de pouvoir choisir quand est-ce que tu veux travailler et comment tu veux travailler et tout. Mais par contre, j'ai besoin d'avoir un autre cadre, de pas être tout le temps que chez moi, de juste voir des gens et interagir avec eux, tu vois. C'est un peu... C'est un besoin aussi, quoi. Oh oui, je comprends bien. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité particulière, selon toi, pour être concept artiste ou illustrateur? Alors, bah, la première, mais elle est tellement évidente que je la donne juste comme ça, c'est évidemment il faut savoir bien dessiner. Mais après, c'est trop facile de dire ça comme ça. En gros, il faut savoir bien exprimer ce que tu veux exprimer. Ou exprimer ce que les autres ont besoin d'exprimer. Ce qui est, on dirait que c'est rien, mais c'est une vraie qualité en fait, d'être à l'écoute de la personne qui commande, de déceler ce qu'elle veut, alors que très souvent un client sait ce qu'il ne veut pas, mais pas vraiment ce qu'il veut dès le premier truc, ou il croit savoir quelle est la solution pour avoir ce qu'il veut, mais en fait c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut pouvoir lui prouver, mais sans lui dire qu'il a tort, tu vois. Un des trucs, c'est un avantage que j'ai vu et que j'ai vu quelques concept artistes où on a cet avantage-là. C'est moi j'ai toujours été dans le mindset que si un client me demande de faire un concept pour une de ses idées, que je pense qu'il a tort dans comment il faudrait faire ce concept ou de quelle est la solution à son problème. Généralement, ce que je faisais, c'est que je faisais son idée, mais je travaillais le double pour faire mon idée à côté, ouais, et lui présenter les deux. S'il il voulait quand même garder son idée, et ça arrive plein de fois, moi, il n'y a pas de souci. Entre guillemets, j'ai rempli ma part du marché de lui proposer ce qui me semblait le mieux. Mais des fois, et c'est arrivé plein de fois, ils font « Ah, waouh,
c'est exactement ce que j'avais dans la tête, mais je le savais pas, tu vois. Je fais, ben, ouais, ça, c'est mon job, en fait, de pouvoir le faire pour toi. Et donc, c'est un avantage voilà, de concept artiste. Visualiser, savoir qu'on ne fait pas que un joli dessin. Alors, c'est un peu différent dans l'optique de l'illustrateur, surtout, ça dépend illustrateur de quoi, tu vois. Si tu es en train d'illustrer pour toi-même, comme un... Je sais pas, tu fais de l'art plastique, ou est-ce que on vient pour ton style et donc ben, tu fais exactement ce que tu veux, ou est-ce que tu dois, comme moi j'ai pu faire, tu dois faire la meilleure couverture possible pour vendre un livre en fait. Parce que ça reste de la vente, tu dois représenter l'histoire, mais tu dois faire un truc impactant, un truc qui se voit. Donc moi, quand je fais une couverture de livre, je me dis, ok, qu'est-ce qui va se voir quand je suis à la FNAC, tu vois. C'est con, mais c'est exactement comment je fais. Puis après, je vais voir dans la FNAC pour regarder mes couvertures. Je fais, ouais, celle-là, elle se voit, c'est bien. J'ai gagné. Ouais, donc tu gardes toujours en tête la finalité et là où on verra l'image, quoi. Bah, c'est le but, tu vois. C'est pas pour le garder dans mon folio. C'est un plaisir personnel. Si tu faisais que des illustrations pour avoir des vues sur ArtStation, en fait, t'aurais pas forcément... beaucoup de différences après dans les rayons de la FNAC. J'ai beaucoup de trucs qui se ressemblent. Ouais, il y a beaucoup de pin-up et. Ouais. Bon après, moi j'aime bien. Je vais pas critiquer les pin-up, j'en fais moi-même, mais je trouve que c'est bien. Mais tout le monde aime les boobs, hein. C'est pas. Ouais, c'est pas critique, hein. Sans même que ça des boobs, mais pourquoi s'interdirait-on d'aimer les jolies filles dans les dessins, tu vois. C'est depuis des siècles, donc. Je suis bien d'accord. Alors, je te pose la même question qu'avant, mais cette fois-ci, pour le directeur artistique. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité particulière, selon toi? Alors ça, c'est un truc... Bon, pour le coup, mettez des pincettes, parce que si je suis très objectif, au final, je suis directeur artistique junior, puisque c'est mon premier, même si j'ai fait d'autres DA pour d'autres jeux, mais c'est la première fois que je suis en officiel, où ça sera ma responsabilité à la fin du projet et tout ça. Mais ce que moi, je remarque, je pense, c'est que t'as les deux mots, directeur et artistique. Artistique est très important parce qu'il faut pouvoir communiquer ce que tu vas faire et répondre et avoir la créativité pour pouvoir répondre aux problèmes qui vont apparaître. Mais en fait, je trouve que vraiment le mot le plus important, c'est directeur. Parce qu'en fait, c'est pas d'imposer, mais c'est de donner une direction. Et pour ça, je répète tellement aux gens de mon équipe qu'il faut trouver une âme au projet, donner une âme au jeu et donner une âme à ce qu'on est en train de produire. C'est ça en fait qui me semble le plus important. Et pour avoir une âme, ben, il faut avoir quelque chose à raconter. Sinon, tu vends des choses vides, qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas. Voilà. Donc, d'une certaine façon, et c'est probablement le plus compliqué, un bon directeur artistique, c'est quelqu'un qui arrive à réfléchir et à exprimer qui il est dans le projet. Entre guillemets. Ça semble un peu complexe dit comme ça, mais. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important et les meilleurs DA, en fait, même tu vois, que ce soit des DA ou dire créatif, mais tu vois un jeu de Kojima pour Metal Gear Solid, tu sais que c'est un jeu Kojima. Tu vois un jeu du créateur de Shadow of the Colossus ou du créateur de Nier Automata, tu sais que c'est eux, d'une certaine façon. Mm. Et même là, le dernier God of War, ben, j'ai regardé pas mal de reportages sur Cory, je sais plus son nom de famille, mais il le dit lui-même, tu vois. Ce God of War-là, le dernier, est très personnel parce que entre ceux qu'il y avait avant et celui-là, bah, il est devenu père. Et il, comme par hasard, le jeu est sur l'accompagnement d'un gamin par Kratos, quoi. Au bout d'un moment, c'est juste limpide. C'est parce que c'est ce gars-là qui a porté ça et que les gens l'ont ressenti, ils ont vibré en même temps que lui sur cette histoire. Et c'est là où ça s'était dit, ah putain, ce projet, il déchire. Bah, ouais, bah, c'est parce que la personne qui était au-dessus, elle a su bien retransmettre ça, tu vois. Ouais. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Alors, j'ai une autre question qui est en lien direct avec ce que tu viens de dire. Comment est-ce que tu choisis une direction artistique? Sur quels aspects bases-tu ton choix et d'où te vient cette confiance que c'est le bon choix? Alors, c'est chaud. C'est quelque chose, c'est que tu ne sais jamais vraiment que c'est le bon choix, mais il faut que tu l'assumes en mode c'est la guerre, on y va comme ça et puis on verra. Mais pour Otherside, ce qui était. J'essaie toujours de me baser sur qu'est-ce qu'on était en train de raconter et qu'est-ce qu'on va vouloir livrer à la fin. Parce que en vrai, c'est les deux choses.
tu vas d'abord livrer un produit, donc c'est le jeu lui-même, une galette que les gens vont acheter X euros et mettre dans leur console. Et il faut voilà, les satisfaire pour ça, d'un point de vue qualitatif, et d'un point de vue, il faut que ça sorte du lot, et que ça soit visible dans la masse de jeux qui vont sortir. Et de l'autre côté, eh ben, y a qu'est-ce qu'on était en train de raconter, et si on veut bien le raconter, quels sont les codes qui vont avec. Donc par exemple, tu vois, le jeu est en noir et blanc, c'est pas un truc dû au hasard, évidemment qu'il y a le côté dark, un peu des rattachements à des séries de comics Sin City, même si j'étais beaucoup plus inspiré par Blame et Berserk pour Othersite, mais... Encore Berserk. Berserk, c'est Berserk. Chef d'œuvre. Mais Blame aussi, hein. Blame, surtout pas. Blame aussi, ouais, ça fait plusieurs fois que je l'entends. Ouais. Ah, Blame, c'est fou. Voilà. Berserk est d'ailleurs aussi inspiré beaucoup Dark Souls, il me semble. Ah oui, là on peut le dire. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des œuvres méconnues, à part par les notre génération, qui sont honnêtement des œuvres majeures. Hein. C'est très frustrant pour moi de voir des gens à la télé en train de parler d'art et des trucs comme ça, en disant que maintenant on ne fait plus que de l'art pourri et tout. Ils sont totalement hermétiques à ces créations du monde BD et tout, qui sont des chefs-d'œuvre. Hein. Ouf, quoi. Mais bref, le truc, par exemple, tu vois, le jeu est en noir et blanc, et ça vient aussi d'un fait que peu de gens savent, mais il y a des gens qui rêvent exclusivement en noir et blanc. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça dans le jeu qui sont disséminés, on va dire, de façon un petit peu secrète, tu vois. Même si c'est pas complètement secret, mais c'est ce qu'on a essayé de faire, de toujours mettre des choses en avant, des choses qui étaient un peu cachées dans le lore et tout ça. Et que ça se tienne autant d'un point de vue gameplay, que d'un point de vue histoire, que d'un point de vue d'un DA. Et au bout d'un moment, en fait, moi je travaille beaucoup par système. Donc je me dis, ok, le jeu va être en noir et blanc. Donc ça fait une toile de fond. Tout ce qui est en rapport avec ce personnage sera en rouge. Et c'est ce qui permet à nos personnages de survivre dans ce monde en noir et blanc. Donc il n'y a que les héroïnes qui ont une écharpe rouge. Quand elles perdent de la vie, l'écharpe se grise. Quand elle est entièrement grise, elles meurent, elles sont sorties de ce monde. Mais aussi, tous leurs pouvoirs sont en rouge. Donc, les activations dans l'interface du jeu, c'est en rouge. Tu vois, et en fait, les systèmes commencent à s'imbriquer, tout commence à se construire, et c'est ce que je dis, au début, on peut avoir besoin de refs, au début, on a des errances, et on cherche on fait des explorations artistiques et tout. Et en fait, au bout d'un moment, le projet est tellement rodé d'un point de vue artistique, mais tout le reste aussi, que tu sais, il vit tout seul. Et donc, tu te dis, tiens, voilà une nouvelle idée. Et en fait, tu interroges le jeu, bon, ça fait partie de ta DA ou pas? Et le jeu, eh ben, il va tout de suite te dire, bah non, tu sais bien que tu peux pas mettre de bleu, puisqu'on est quand même dans les rouges. Bah non, tu sais bien que ce monstre peut pas avoir un FX rouge, puisque c'est que les Daughters qui ont du rouge. Et en fait, toutes les réponses se construisent, donc là, c'est bateau comme exemple, mais au bout d'un moment, bah, tout est là, et tu fais, ah ben, bah, voilà, j'ai plus qu'à interroger le jeu lui-même, j'ai plus à réfléchir à tout ça. Ça, c'est la preuve que tu as déjà posé quelque chose qui commence à être efficace. Ouais, c'est pour moi, ça marche que parce que tu crées des sortes de systèmes. Si tu fais un peu à la One Again à chaque truc, tu vois, tu fais bon, ben, c'est pas très très construit et ça laisse des brèches à n'importe quel avis et n'importe quelle construction et tout. Alors que quand c'est bien rodé, bah, tu te dis il suffit juste de regarder le jeu et le jeu répondra de lui-même si c'était une bonne ou mauvaise idée, quoi. Ouais. Alors, je reviens un petit peu là sur ce que tu es en train de faire. Ouais. Donc là, je vois que ça a bien pris fort. Je ne sais pas exactement où je vais. Mais... Ah, donc tu ne sais pas encore exactement. J'ai commencé à me dire que c'est une sorte de prêtresse. Au visage bleu, voilà. J'ai pas tellement plus. Ouais. Ce truc, c'est qu'elle a encore cette espèce de partie centrale, un peu armure qui ne va pas avec le côté prêtresse, mais j'arrive pas à me dire... En même temps que je parle, oui, je vais tronquer là-dedans, mais je vais le faire maintenant. Je pense que je vais creuser un peu tout ça. Qu'elle devienne une vraie madame. Une madame en armure bionique. Bon, après, voilà, ça reste, tu vois. Mais il y a quand même une impulsion, tu vois, où je sais que là, il va y avoir un texte par rapport à qui elle est, cette espèce de profil un peu égyptien qui fait que. C'est un peu comme la Nefertiti, là, où elle a ce genre de chapeau, et en même temps, elle a cette peau bleue. Je,
je pense qu'il y aura un truc là-dedans, quoi. Donc finalement, du chaos, tu vois des formes, tu développes une histoire, et ensuite de l'histoire, tu vas finir de construire et détailler le Ouais, personnage. exactement. C'est un peu ça. Là, tu vois, le truc, je me dis, c'est qu'elle est à peu près dans la même veine que le dernier perso, là, le Old King. Donc, je vais la raccrocher dans cette histoire-là. Est-ce qu'elle est, genre, la prêtresse, tu vois, qui l'a conseillé, et résultat, vu que dans le Old King, tu sais, il tient le visage d'un personnage, est-ce qu'il aurait, genre, d'un point de vue mal avisé, il aurait tué sa femme, ou il serait débarrassé d'elle, et puis il regrette, et en fait, c'est elle qui est venue et qui lui a susurré des mots doux, tu vois, comme ça, en mode. Allez, excellent. Même pour tes créations personnelles, finalement, t'as ton système aussi, alors. Ah ouais, bah ça, c'est clair. Hein. Je t'ai dit, hein, c'est presque. Enfin, déjà, l'art en lui-même, c'est un peu comme une drogue. Je peux pas vraiment m'en passer. Ça a été d'ailleurs. Hein, c'est toujours, hein, c'est des grosses interrogations avec la vie personnelle. Ma femme, chère et tendre, pourra attester que. Tu vois, j'ai toujours eu une sorte de partage en disant, mais si on avance dans le couple, est-ce que je vais devoir choisir entre vie perso et l'art? Ah, et quand on va se marier, est-ce que je mets les deux à truc égal? Oh, mais si on a un enfant, il va falloir que je divise ma passion par trois. Tu vois, ça a toujours été. Enfin, c'est toujours des interrogations existentielles, tu vois, qui Ouais. bougent pas, quoi. Mais au final, pour l'instant, d'abord parce que ma femme est extraordinaire, deux parce que je découvre des choses au fur et à mesure. Par exemple, quand ma fille est née, j'étais vraiment en mode, putain, j'ai déjà l'amour au maximum dans les deux jauges, tu vois, vie perso et art. Donc s'il y a une nouvelle lettre qui va arriver, je vais devoir diviser, quoi. À un moment où je vais devoir diviser ma jauge en trois. Et en fait, c'est à la naissance, j'ai découvert que non, en fait, il peut y avoir un bonus qui s'ajoute. Et donc, ça a juste ajouté encore plus d'amour, d'attachement et tout ça pour cette petite être. Et c'est pareil pour le second qui est né récemment. Donc, ça, c'est des lucky strikes dans les névroses d'un artiste. Non, mais c'est très bien que tu parles de ça. Justement, ça allait être les questions qui allaient venir un peu plus tard sur la fin. Justement, la gestion de l'équilibre, comment est-ce que tu peux justement gérer l'arrivée d'une famille, etc. Sachant je pense on est nombreux, peut-être pas tous, mais on est très nombreux à être un peu pareil, finalement, très attachés à cette passion. On sait que c'est quelque chose de très chronophage. Et puis, je considère toujours ça un petit peu comme une forme d'égoïsme, finalement. On aime bien être un peu dans notre bulle, à développer des univers qu'on aime, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie que, finalement, que le reste de la vie vienne un peu trop rogner Ouais, c'est cette clair. case, j'ai l'impression. Et du coup, c'est vrai que c'est assez rassurant bah, d'entendre que là où tu en es dans la vie, finalement, tu arrives encore à trouver un équilibre, à t'éclater non seulement là-dedans, mais en plus dans des nouveaux trucs bonus, c'est bien. En fait, je pense que c'est aussi parce qu'il faut avoir la bonne maturité artistique, mais aussi vie perso, pour pouvoir transformer ce qui peut apparaître comme des contraintes, comme les transformer en force. Et tu vois, c'est pas anodin que je sois là passé vraiment en direction artistique, et donc je me sois rattaché au raconter des histoires, c'est ma façon de faire de l'art. Parce qu'en fait, j'ai moins de temps de faire de l'art, mais par contre, avec les enfants et la vie perso et tout, bah, je suis plus nourri d'histoire. Donc en fait, bah, j'ai perdu du temps pour créer, mais j'ai gagné des choses à raconter. Et ça se ressent, tu vois, dans mes trucs. Là, un des dessins que j'ai fait et que les gens connaissent bien, c'est celui-là. Hop là. Voilà. Celui-là, je pense que c'est celui qui a le plus de vues que j'ai eu sur ArtStation et tout. Donc il fait d'abord parce qu'il fait avec les formes géométriques et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage qui est à gauche là, c'est le Death Knight. Et en fait, c'est un personnage que j'avais inventé quand je jouais dans l'impasse avec mes amis. Donc c'est déjà un truc personnel, tu vois, d'il y a des dizaines d'années maintenant. Et pendant hyper longtemps, dans la création de ce truc, il n'y avait pas le deuxième personnage, la petite fille là, qui est à côté et qui le suit. Et en fait, j'ai ajouté ce personnage peu de temps après que ma femme ait accouché. Et ça avait été tellement un bouleversement, tu vois, quand ma fille est née prématurément, que moi j'ai été en super flip et tout, que ça m'est paru évident que pour que mon chevalier errant, qui est censé être le chevalier de la mort, et tu vois, et qui a fait des choses atroces et tout, en fait il a envie d'être tranquille et de passer à la retraite parce qu'il va accompagner et être accompagné par sa propre fille. Et ça, en fait, cette histoire-là n'aurait jamais pu exister avant la naissance de ma fille. Donc c'est plein de
tu vois, tu t'auto-nourris en même temps que tu crées à nouveau, quoi. Ouais, du coup, ça renforce ouais, les concepts et les histoires que tu racontes. Ah ouais, bah carrément. Donc, t'en gagnes sur un autre axe, qui est d'ailleurs justement celui que je critiquais en début d'interview, lorsque je disais que beaucoup de choses que je voyais dans les galeries, après, c'est un avis très personnel, bien sûr, manquaient justement un petit peu de storytelling, ça manque un peu de concept, d'originalité. Finalement, c'est là-dessus que toi, tu te rattrapes. Donc, ce serait un petit peu une de tes forces, alors, aujourd'hui? Ouais, j'essaie de... Enfin, tu vois, j'essaie de me le dire, j'ai eu des déclics aussi, hein, tu vois, quand j'étais en freelance. J'ai eu une fois une commission par une boîte d'outsourcing qui faisait de l'outsourcing, mais pour les pays de l'Est. Non, pour les pays asiatiques. Donc, c'est toujours à l'Est, hein, mais voilà. Et en fait, le niveau qu'ils me demandaient à chaque croquis, à telle vitesse et pour ce prix-là, même moi, enfin là, j'étais vraiment complètement dépassé, tu vois. Ouais. En mode, ouais, je peux le faire, mais là, il me faut plus de temps ou il me faut plus d'argent. Tu vois, j'y arrivais pas. Donc, c'est une des seules missions où j'ai très honnêtement dit, bon, bah, écoutez, je vous laisse ce que j'ai fait, vous n'avez pas obligé de me payer. Alors, ils ont été très propres, ils m'ont payé proportionnellement. C'est juste que j'ai pas le temps d'investir autant de trucs. Mais eux, en fait, ils ont des gars de tellement haut niveau qu'un croquis, pour eux, c'était l'équivalent quasiment d'un dessin fini chez nous, tu vois. Et donc, moi, ça m'a fait un déclic que, en fait, ça y est, je suis sur ce coup-là, je suis dépassé. Je pourrais pas dépasser cette flopée qui va arriver là. Ça veut pas dire que d'autres pourront pas le faire, hein. Bien au contraire, c'est pas du tout pour décourager, mais moi, en tout cas, j'ai une sorte de cap, ça y est, je peux pas faire ça. Je peux pas, avec ma configuration, avec ma famille et tout, faire ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est quoi mes forces? Tu vois? Et c'est là où j'ai eu mon analyse des artistes appliqués et des artistes qu'on vient prendre pour leur propre style. Et que je me suis dit, ok, si je fais le bilan, voilà ce qui m'a amené là où je suis, c'est ça qui fait que je me fais choisir. C'est arrivé plus ou moins au moment où on m'a proposé d'être DA pour un Lightbulb. Je fais, ok, c'était un rêve d'avant, mais on tente, et je suis parti dans le truc de DA. Et mais ça n'a pas été difficile quand même, bah finalement c'est un petit peu ce mur que tu t'es pris. Est-ce que cette remise en question forcée, ça n'a pas été difficile? Bah, tu vois, après, pour être très honnête, je suis hyper angoissé constamment, donc c'était pas plus difficile que d'autres fois, tu vois. Je me suis jamais vraiment senti dans un moment de confort pur. Évidemment, avec l'expérience, tu te dis plus, ok, ça, je sais que je sais le faire et je peux le faire à telle vitesse, ou non, mais là, je sais que j'ai raison. Tu peux dire le contraire, Bobby, mais je sais que j'ai raison sur ce truc-là. Mais j'ai toujours été un peu constamment dans le doute, à me dire, ouais, mais peut-être que j'ai tort quand même, peut-être que je suis pas assez fort. Donc, c'était pas une surprise, mais au bout d'un moment, c'est genre la réalité te rattrape. Soit tu restes figé comme un lapin devant les phares, soit tu dis, bon, il faut vraiment réfléchir à quelque chose, il faut faire agir en conséquence. Tu vois. Ouais. Tu vois, c'est comme par exemple, quel est le futur de nous, les concept artistes, toi, moi, à plus 20 ans, quand on va avoir 50, 60 balais arrivés à la retraite? Franchement, qu'est-ce qu'on va faire? Les trucs auront tellement évolué, les techniques auront tellement changé, c'est compliqué de se projeter dans ce truc-là. Et alors, pourtant, on est quand même censé travailler jusqu'à un certain âge, tu vois. Donc, il faut penser à des trucs, prof, transmettre, avoir ça, créer de quoi faire ses propres histoires sans que ce soit toi qui va dessiner forcément, et tu auras des jeunes plus talentueux qui prendront la relève. Moi, tout ça, c'est des trucs qui me trottent dans la tête constamment, donc j'agis en conséquence aussi, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que du coup, pour toi, tu penses pas alors que un concept artiste peut justement rester au niveau et se tenir à jour d'un point de vue technique et des différentes évolutions, alors? Bah, si, toujours, il y aura toujours des gens qui y arriveront. Mais pour tous ceux qui y arrivent, combien sont juste à un moment par la vie dépassés, et puis ben, se tenir à jour, se tenir au niveau? C'est pas la même chose quand t'es tout seul étudiant dans ta piole et que tu as que ça à faire et regarder Netflix, et que quand tu as une famille à nourrir, des enfants qui te sollicitent, que toi tu veux pas perdre aussi trop de temps dans la vraie vie et que tu veux voir d'autres choses, quoi. Donc au bout d'un moment, ben, c'est des questions de choix. Et moi, je sais que par exemple, je suis pas un gars très fort techniquement. J'arrive à m'updater techniquement quand j'ai une finalité qui,
qui est associé, comme pour le personnage en 3D. Mais je ne suis pas, tiens, j'adorerais voir les nouveaux shaders de je ne sais pas quoi et savoir comment faire des pavés réalistes. Tu vois, ça me dépasse, mais complètement, vraiment à 3000%. Mais résultat, je vais avoir un step de retard par rapport à des gens qui sont tellement avides et monstrueusement doués et qui arrivent à consacrer le temps que oui, ils me roosteront là-dessus. Mais il faut juste le savoir. Et après, tu agis en conséquence, quoi. Je vais revenir un petit peu sur finalement sur ton style artistique, puisque moi, il y a quand même un truc qui me fascine, et c'est une question que je brûle d'envie de te poser depuis longtemps, et qui a été posée aussi au début de l'interview. Justement, c'est un des premiers trucs, une des premières questions posées, c'était par Benjamin, qui disait, et ça reprend grosso modo ce que j'avais aussi en tête, en regardant tes œuvres, on peut remarquer que tu bosses souvent en shape, donc pour ceux qui ne voient pas de quoi ça parle, c'est-à-dire à partir de formes géométriques très exagérées, on va dire. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu as toujours appris comme ça, ou c'est pour une question de temps? En tout cas, la question, voilà, c'est d'où est-ce que ça te vient? Est-ce que... Je pense que ça... Surtout là, dans les derniers, où c'est des trucs... Alors, nous, on n'apprenait pas ça en shape. Donc, ce mot, je l'ai appris à Lightbulb, justement, parce que tous les jeunes l'utilisent. Je n'utilisais vraiment jamais ce truc-là. On parlait de forme et de composition. Mais ça vient des profs, en fait, que j'avais, et qui ont soit donné leurs envies et leur savoir, soit donné des artistes que j'aimais et que dans lesquels je me suis retrouvé ou que j'ai admiré. Mais comme ce prof que je vous racontais qui demandait de faire des poules en forme géométrique simple, en fait, ce qui nous a vraiment appris, c'est toute la synthétisation et la force de la synthétisation. Et en fait, tout ça, ça vient de la composition. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui ont des philosophies personnelles de qu'est-ce qui est important dans un décor, dans un personnage, dans tout et n'importe quoi. Certains vont dire c'est la lumière qui est le truc le plus important, d'autres vont dire c'est la technique, c'est le réalisme, c'est je sais pas quoi. Moi, j'ai toujours, toujours considéré, quand j'ai eu les compris en tout cas, que c'était la composition. On est en train de travailler, on travaille sur un cadre, donc de base, quoi qu'il arrive, on est déjà dans une forme, donc ça veut dire que la forme et la façon dont les formes vont jouer entre elles, c'est déjà un truc hyper important. Donc si je vous donne un exemple, un truc qui s'appelle la Gestalt théorie, donc je rabâche souvent, mais c'est le truc qui m'a tout changé. Donc la Gestalt théorie, elle dit que les formes entre elles, elles ont des résonances, que tu ne peux pas mettre une forme à côté d'une autre sans que ça interagisse. Donc c'était sûrement un psychologue très connu, hein, moi je ne connais que son nom pour cette petite partie de cette théorie. Mais si par exemple je vous fais un triangle, vous allez vous dire « Ah, waouh, c'est une pyramide !» Voilà, comme ça. Ou alors « Ah, ça me rappelle la Triforce de Zelda !» Si après je vous fais une forme ovoïde, comme ça, vous allez faire « Oh là là, mais c'est trop bien, c'est un œil !» Ah, je vois des choses. Par contre, si je fais une forme ovoïde avec un triangle, quasiment 100% vont me dire « Un poisson !» Et la seule chose que j'ai changée, c'est de mettre ces deux formes l'une à côté de l'autre. Et tout ça, c'est les règles de la composition. La façon dont on met une forme par rapport à ton cadre, à quelle distance, et quelle forme tu vas faire jouer avec quelle autre, ton niveau de détail à un endroit par rapport à un autre qui est épuré, tout ça, ça a des résonances qui veulent dire des choses sur ton personnage. Donc je ne dis pas que c'est réfléchi à chaque instant, je ne suis pas en train de me poser « Ah, est-ce que là je suis bien à 6 mm pour que... » on se dise que son crâne est gros, tu vois. Mais par contre, c'est important pour pouvoir se dire oui, je vais probablement garder cette forme très géométrique de l'arrière de son crâne plutôt que de faire un crâne réaliste, parce que je veux que quand l'œil va être attiré par ça, on se dise bizarre, c'est pas écrire. Et en plus, ça va contraster avec le visage qui est déjà dans une autre couleur. Donc, c'est ces rapports d'échelle-là qui font que je trouve que c'est plus marrant et j'arrive plus à jouer avec ces formes, donc qui sont, on va dire, stylisées ou des grosses shapes, comme il s'est dit, parce que j'arrive plus simplement à jouer avec ces pièces de puzzle que si je faisais que de l'anatomie réaliste, que des détails, machin, ou que, je sais pas,
Je m'attachais à la parfaite lumière sur le coude de mon personnage. Là. Oh là là, il faut que ça soit parfaitement blendé. Oh là, je fais un petit truc, comme ça. Alors qu'en fait, ouais, je comprends. Complètement égal. Alors, je vais changer complètement de sujet. On a eu une remarque dans le chat de Imi. Et ça rejoint aussi une question d'ailleurs que je t'aurais posée un peu plus tard. Alors, pour résumer, la question, c'est que Imi apprend à dessiner sans argent, donc ça remet forcément en cause l'importance des écoles d'art, et on arrive sur la question de faut-il nécessairement suivre une école d'art pour se lancer dans une carrière d'artiste aujourd'hui ? Alors, c'est compliqué parce que je viens d'une école d'école d'art, donc j'aime pas trop me mettre à la place de ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le faire, ou d'avoir des parents qui pouvaient aider, ou de pouvoir prendre un prêt, ou des choses comme ça. Parce que moi, j'ai eu cette chance. Donc, il faut avoir un peu de modestie, être un peu humble sur ce genre de truc. Après, on est dans une époque où il n'y a jamais eu autant de cours sur Internet, de moyens d'apprendre, pas forcément gratuitement, mais disons sans devoir débourser 10 000 euros pour une école, tu vois. Du coup, je dirais qu'on peut largement maintenant apprendre de quoi avoir un niveau très décent juste sur Internet, et que c'est plus du tout une fatalité. Il y a plein d'artistes autodidactes qui sont extrêmement forts maintenant, et c'est juste, en fait, il faut avoir la skill, peut-être pas le talent, mais la skill de savoir apprendre quasi seul, parce que même si on a des entretiens avec des gens par Skype ou par chat, c'est quand même pas la même chose que d'être à côté des personnes et qui peuvent autant te faire rire que te conseiller et tout ça. Ça, c'est l'avantage par contre des écoles d'art, c'est que tu vois des horizons, on te force à être avec des gens avec qui tu n'aurais pas forcément été, c'est pas à la carte. Tu te crées des amitiés ou des rejets parce que tu es obligé de le faire, et ça, c'est formateur en soi aussi. C'est pas la différence entre les cours à la maison et les cours à l'école pour les enfants, mais il y a quand même un peu de ça. Il y a une sorte d'école de la vie aussi. Super Infocom, bon, il y avait certains profs qui étaient excellents, d'autres qui étaient moins bons, des élèves qui étaient incroyablement forts, certains qui sont des amis chers, d'autres qui sont partis dans des stratosphères inatteignables pour le commun des mortels, et d'autres qui, bon, ben, ils galèreront un peu plus. Mais chacun avait un peu, tu vois, son niveau. Et toi, tu t'accoquines avec les gens aussi que tu apprécies et qui évoluent après avec toi. Et ça, oui, c'est sûr qu'une école d'art, ça le permet. Ça permet de forcer des rencontres que tu n'avais pas forcément. Et comme pour des gens comme moi qui sont pas, tu vois, je suis pas un mec user-friendly, en tout cas via les réseaux, ça va une fois qu'on se connaît et des machins comme ça, mais c'était bien pour moi d'apprendre la vie auprès de vrais humains, et pas sur des chatbots et des trucs. Donc finalement, le gros avantage, selon toi, c'est particulièrement les relations que tu vas faire, les rencontres, et la motivation d'être dans un groupe physique. Carrément. Et puis, vraiment l'apprentissage artistique, etc. Bah, tu as un peu de tout, mais ça dépend des profs, et puis ça dépend des écoles, et donc c'est pas une règle générale. Mais ce que me disait un de mes excellents profs de là-bas, il disait, de toute façon, l'école, c'est les élèves qui la font, c'est pas les profs. Et donc ça avait deux sens, ça avait dans le sens que prof ne fera pas la renommée de l'école, c'est les élèves qui en sortent, mais ça avait aussi le sens de l'apprentissage, c'est que il faut que les élèves s'entraident, s'apprennent entre eux, se soutiennent, se détestent, s'aiment, tout ça, et c'est ça qui va faire que le truc va progresser, et que l'école va exploser, et que ça va être important pour toi et tout. C'est sûr que je suis moins attaché à mes bonnes notes de Supinfocom qu'aux amis que je me suis fait là-bas. Con et logique, mais en fait, c'est la réalité, quoi. D'ailleurs, il y a Imi qui a répondu dans le chat, puisqu'on vient de lui répondre, qui demande comment je me fais des relations alors. Alors, moi, je vais me permettre de donner ma réponse, et puis je te laisserai compléter si t'es d'accord ou pas, ou si tu vois d'autres choses. Mais je pense que tu as plusieurs méthodes pour te faire des relations sans passer forcément par une école. Ça peut passer notamment par des communautés en ligne, du type justement digitalpainting.school. Il y a aussi un forum, il y a un Discord, donc ça permet de faire des rencontres qui sont déjà virtuelles dans un premier temps.
pour et... seulement 1 500 € par mois. même pas. Et après, de toute façon, rien ne t'empêche de tisser des liens avec ces gens et éventuellement de les rencontrer en dehors d'Internet, des forums, etc. Il n'y a pas plus tard que, bah, que hier, il y a eu quelques membres du forum qui ont organisé un drink and draw sur Paris et qui se sont donc rencontrés, retrouvés physiquement. Et donc, ça permet aussi de faire des rencontres sans passer par le cadre d'une école. Oui, Imi, il y a un Discord d'EP School. Après, tu as reçu aussi une réponse de Benjamin qui est très vraie. Tu as aussi des conventions qui existent, des événements, des fois des soirées. Je pense aux masterclass, je pense aux art and talk qui sont, alors tout ça, ce sont des choses maintenant qui sont sur Paris. C'est juste un exemple. Mais voilà, il y a des choses qui existent et puis rien n'empêche après de faire des rencontres, comme je l'ai dit, sur des sites, sur différents lieux virtuels et puis d'essayer de forcer ces rencontres aussi dans le monde réel. En tout cas, il y a quelques sites, quelques communautés comme DP School qui existent aussi pour aller dans ce sens-là. Après, tu auras peut-être d'autres conseils à donner, Alexandre. En fait, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que l'autre truc aussi, c'est qu'il faut essayer d'apprendre à se connaître en tant qu'artiste. Certains artistes n'ont pas forcément besoin de connaître des gens aussi. Et c'est tout à fait bien comme ça. Le plus important, c'est de son folio. Il y a forcément un peu de networking, ça, pour pouvoir être vu, trouver un moyen d'être vu. Donc il y a des concours maintenant. Il y a essayer de démarcher des gens pour qu'au moins ils regardent, pour que ça soit diffusé, trouver son premier job et tout ça. Donc c'est pas forcément simple, mais il faut savoir ce dont on a besoin aussi, et pas forcément se dire il y a une seule voie tracée et il faudrait faire comme ça pour que ça marche. Exactement. Ouais. En tout cas, si je peux te donner un dernier conseil, Emy, si tu es vraiment en phase d'apprentissage et que tu veux te lancer dans un apprentissage en autodidacte, essaie de ne pas rester seul, vraiment essaie de te connecter à des gens, même si c'est via une plateforme, via des réseaux sociaux ou Instagram, ou peu importe, essaie vraiment de ne pas rester tout seul dans ta bulle, parce que selon moi et selon ta personnalité, encore une fois, ça peut dépendre en fonction des gens, mais tu risques d'avoir plus de difficultés, un parcours peut-être plus difficile, une progression plus lente, et une santé mentale qui sera aussi peut-être un peu moins bonne en fonction, encore une fois, de ta personnalité. En tout cas, je sais que pour la majorité des gens, c'est quand même mieux d'être un peu entouré, surtout si justement on ne va pas tous les jours physiquement dans un lieu de travail, dans une école, pour voir des gens. Je sais de quoi je parle puisque je suis moi aussi seul la majorité des journées. Donc voilà, fin de la petite parenthèse. D'ailleurs, si vous avez encore d'autres questions à poser à Alexandre, je pense que c'est le moment, puisqu'on va quand même petit à petit se rapprocher de la fin de l'interview. On va quand même libérer Alexandre un jour ou l'autre. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vois que tu avances super bien sur ton painting. C'est vraiment ouais, super de voir ce que ce gribouillage, enfin cette œuvre d'art, pardon, a donné. Ah, donc là, ouais, tu nous montres un peu l'évolution. Ah ouais, oui, quand même. Ah super. J'ai une question qui me vient. Est-ce que dès le début, tu voyais un visage à partir de la tache bleue et... Ouais. En fait, dès que j'ai ouvert là. Je l'ai vu instantanément, en fait. C'est quasiment la première chose que j'ai vue. J'ai vu... Effectivement, on retrouve l'œil, le nez. Ouais. Voilà, exactement. Là, il y avait un œil. Là, il y avait le nez. Et donc, en fait, en partant de là, j'ai construit, je me suis dit, OK, là... La gestalt. Là, il y a un cou. Donc, une courbe dans un sens pour le cou. Donc il me faut une courbe dans l'autre sens, et donc j'ai vu là une autre courbe dans l'autre sens. Donc je me suis dit, ah, ça y est, c'est un buste, quoi. Donc, je me suis dit, ça serait peut-être un peu massif en termes de... voilà. Mais résultat, j'ai commencé à voir les hanches. Voilà, j'ai construit à peu près comme ça. Et puis ben, au final, on n'est pas si loin. On n'a pas changé tant que ça dans la construction des trucs. Ouais, effectivement. Donc il sera pas fini ce soir. Mais je te le retransférerai une fois la bébête. Avec grand plaisir. J'ajouterai le lien dans la description de la vidéo et j'en profiterai aussi pour le partager un petit peu ailleurs, là où je peux. Et on pourra le retrouver alors sur ton ArtStation, j'imagine. Ouais, bah bien sûr, je le mettrai là. Parce que c'est bien, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Alors, j'ai une autre question pour toi. D'ailleurs, c'est la même que celle que vient de poser. C'est qui l'a posé dans le chat? C'est Léoz. Quelles sont les œuvres ou artistes qui t'ont inspiré ou nourri? Alors, ça, c'est multiple. Il y en a beaucoup. Je vais pas trop citer ceux qui sont un peu connus, mainstream, entre guillemets, de concept art. C'est-à-dire,
J'ai été nourri par du Feng Zhu, par Anthony Jones, des trucs comme ça, tu vois, qui m'ont vraiment aidé à des moments hein, aussi. Je suis plus attaché à citer mes mentors directs, donc Pascal Barret, qui est un directeur artistique. Vous trouverez quasiment rien, je pense, sur, en termes de folio et tout, parce que lui, c'est un créateur de jeux, donc il crée des jeux. Il fait des trucs pour ça, même si c'est le DA de Nightmare Creatures, donc pour ceux qui sont nostalgiques, ils connaîtront. Marc Bijast, qui était ce fameux prof au pool qui m'a énormément aidé à Supinfocom. Lionel Richerand, qui est un BDiste qui m'a fait découvrir des artistes majeurs, notamment ceux que je vais citer là, qui, eux, m'ont vraiment inspiré. Donc, il y a en artiste majeur un qui est décédé il y a quelques années, et qui était, je pense que c'est clairement le maître de la composition, quoi qu'il arrive, s'appelle Topi. T-O, et je crois que c'est 2 PI. Voilà, si vous allez voir ça, c'est incroyable et c'est assez méconnu, à part dans certains milieux artistiques, mais c'était un BDiste et illustrateur italien et incroyablement fort. Ah oui, L'autre que je effectivement. connais, c'est Beksinski, mais alors je n'ai pas envie de m'écorcher son nom, donc je vais l'écrire, mais vous faites attention à trouver le bon nom. Voilà. En écrivant un truc à peu près comme ça, je ne sais plus si c'est un Z ou Y, voilà. Vous le trouverez. Et lui, c'est oufissime. C'est un peintre polonais. C'est juste monstrueux. Et c'est très très dark. Dans les comics, celui que je, enfin qui m'a fait un changement et vous allez vite comprendre si vous le voyez, s'appelle Mignola. C'est le créateur de Hellboy. Ne vous laissez pas avoir en allant voir ses planches comme ça à la va-vite, en disant bah c'est que des gros aplats, etc. C'est juste un génie de la composition. Et si vous regardez et que vous analysez avec un œil d'artiste, vous allez vous dire oh, mais attends, mais il n'y a que 4 formes là et j'ai l'impression de voir plein d'autres choses derrière. Et c'est un. Voilà, ça a été vraiment un blast en termes de révolution. Et de. Voilà, qui m'a formé. C'est. Voilà. J'ai même plus de mots. En termes d'œuvre, donc Berserk, ça, c'est genre du obligatoire. Blame, c'est presque plus obligatoire, je dirais, tellement c'est bizarre. Gun aussi. Je sais plus si c'est deuxième. Enfin, Je crois qu'il Gun. y a le deuxième, je suis pas sûr. Alita, voilà. Ça, c'est très important. Ça, c'est trois. Je mettrais Hunter Le x Hunter. Ouais, voilà. Pour Gun. Je mettrais Hunter x Hunter aussi, parce que c'est des Ah ouais. œuvres majeures. Ouais, parce que je trouve que c'est un truc bien écrit. Plein de gens trouvent que c'est pas forcément bien dessiné, mais je trouve qu'il y a une force où il peut comme faire des dessins où on voit, genre, on dirait qu'il y a 3 traits comme ça. Ah bonjour, je m'appelle Gon. Et puis tu tournes ta page, et là tu as un dessin fouillis, on dirait que c'est fait au crayon à papier avec plein d'expressions faciales et tout. Et tu te fais wow, je viens de prendre une grosse claque, et en fait le personnage dans le livre aussi était en train de se prendre une grosse claque. Et cette transposition là, pour moi, c'est ce que j'appelle avoir un peu d'âme, tu vois. Dans le média, les personnages prennent autant la claque que le graphiste, que la personne qui lit. Donc j'aime bien. J'aime Ah, bien. très bonne référence en tout cas. Certaines que je connaissais pas, ça me fera des belles découvertes à faire aussi. Ouais, c'est vraiment. Merci. Bon, c'est celle que je ressors à chaque fois, mais je les aime bien. Ah bah je les connaissais pas, enfin Et ben pas une voilà. partie en tout Et ben cas. voilà. Alors allez, on va approcher des questions de la fin, je te rassure. Ouais, y a C'était pas un de souci. Hein. petit moment à passer avec nous. Alors, on a une question de Maxence qui nous dit, à ton avis, comment peut-on expliquer à ses parents que ne pas faire d'école d'art, ce n'est pas forcément être incompétent? Moins valoir que les autres, être un moins que rien, etc. C'est vrai que c'est une situation finalement assez difficile. C'est vrai que c'est complexe. Toi qui es Ouais, mais c'est vrai, c'est une anecdote. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance, mes parents m'ont soutenu, même s'ils étaient un peu perdus au début, ma mère notamment. Mais enfin, les deux, hein, c'est deux commerciaux, c'est pas du tout leur univers. Hein. Je donne une anecdote aussi que je ressors souvent, mais je vais au salon de l'étudiant avec mon père pour voir les écoles d'art. On ramène plein de flyers et de toutes les différentes écoles. Certaines, c'est des arnaques totales, ça pue la merde depuis à 4 km. D'autres, juste pas savoir, tu vois. Comment tu peux juger si c'est une bonne école ou pas? On est sur la table de la cuisine, on a tout étalé et tout. Il y a ma mère qui se prend la tête en mode facepalm et elle fait oh là là, t'aurais pas pu faire médecin comme tout le monde. Et ça aurait
Et ça m'est resté, mon gars, ça m'est resté parce que. Ah, elle est pas mal celle-là, ouais. Bah ouais, mais en fait, c'est un peu une réalité. Mais d'une certaine façon, ce que je dirais, bon, bah, c'est plus facile maintenant que j'ai des enfants, mais est-ce que je me dirais pas la même chose si mes enfants me demandaient un truc qui me semble improbable? Après, il y a des moyens de rassurer les parents. Hein. C'est, regarde, les talks qu'on est en train de faire là, quand même beaucoup d'artistes disent globalement que l'école n'est pas obligatoire. Il suffit peut-être montrer aussi des exemples aux parents et leur dire, voilà, cet artiste-là, Anthony Jones, est très très connu. Il a été quasiment 100% contre les écoles d'art. Est-ce qu'il ne faut pas voilà, montrer un peu ça? C'est une forme d'éducation. Après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il faut prouver aussi aux gens, et les parents en font partie, et même on doit généralement leur être redevable de ça. Prouver que on fait pas le mauvais choix, surtout si c'est un choix qu'on leur impose. Donc il faut pouvoir se donner, il faut essayer de trouver le moyen de prouver qu'on était bien, qu'on va assurer de l'autre façon, montrer qu'on est assidu, montrer que ça donne des résultats, réussir à obtenir des résultats. Mais ça, c'est valable dans une école aussi. Hein. Je ne comprends pas que des élèves puissent débourser jusqu'à 10 000 euros à l'année sans venir à leur cours, sans se défoncer, sans machin. Alors, ils peuvent juger que leur prof est pas bon, mais dans ce cas-là, ils viennent au cours et ils travaillent en plus la nuit. Mais ils font pas une fine bouche et tout, alors qu'ils déboursent des sommes faramineuses. Je pense que il y a une sorte de question d'honneur, entre guillemets, où. Quand tu donnes à tes parents que oui, ça va être dur, vous allez devoir me faire confiance alors qu'il n'y a rien qui prouve que ça peut marcher, ou merci d'avoir payé mes parents mon école, vous êtes saigné pour ça, ou on va devoir se saigner pour pouvoir faire un prêt. Mais je sais pas, il y a un honneur à chaque jour quand je vais dans l'école, j'essaie d'être le premier, quoi. Je sais pas, c'est. Ouais, non, je pense que c'est obligatoire, c'est vraiment. Donc voilà, c'est ça. Je dirais. Eh ben, j'espère en tout cas que ça l'aidera. Une autre question, est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui aimeraient travailler pour un studio de jeux vidéo, indépendant comme toi, ou tout simplement, on va dire, suivre ton parcours? Bah là, le truc, c'est en fait, si c'est des juniors qui n'ont pas encore un folio, ou si c'est des... C'est, ça dépend, parce que tu vois, mon parcours, moi, là où il est atypique, c'est qu'en gros, j'ai eu très peu à démarcher. J'ai démarché pour mes stages, j'ai eu mon stage à Spider, ça s'est très bien passé parce que j'avais fait plein de choses différentes. Et résultat, c'est un des game designers qui m'avait repéré, qui m'a appelé à la fin de mes études, quand ils allaient faire le pôle cinématique, pour faire quelque chose de complètement différent, parce que je faisais du caractère artiste, et où j'ai dit ok, et où ça s'est pendant 4 ans, on a tissé des liens, on a créé des trucs. Ce même game designer, je suis le parrain de son fils. Enfin, tu vois, il y a des histoires aussi qui se créent, qui sont un peu uniques. Pour pouvoir travailler dans des studios indépendants, là, je dirais, la règle qui marcherait le mieux, c'est juste de postuler. Par contre, eh ben, quand on rentre en phase de postulation, c'est la même règle pour tous. Il faut que ton folio y déchire. Donc, je dirais que la seule règle, c'est il faut faire un portfolio qui défonce et essayer de le toucher le plus possible. Si c'est des studios que tu vises, que tu connais, etc., faut pas hésiter à essayer de donner quelque chose qui va répondre à leur style. Donc ça ne veut pas dire copier leur style, mais si on voit que c'est des indépendants qui font en gros pas du tout du World of Warcraft, ben, faut pas faire du World of Warcraft, ça sert à rien. Si tu veux aller travailler chez Blizzard, donc t'es un énorme studio indépendant, mais tu as de fortes chances de devoir au moins prouver que tu peux faire un personnage Overwatch. Ou à quelque chose qui y ressemble, quoi. Ouais. Donc voilà, et à mon avis, il y a un petit peu de dodging à faire là-dedans. Allez, je vais attaquer un petit peu les questions de la fin et je vais me recentrer un peu sur toi, Alexandre. Ouais. Quelles sont tes envies aujourd'hui? Est-ce que tu te retrouves plus finalement dans peaufiner ton art ou plus t'investir finalement dans la direction artistique? Ou peut-être les deux? Là, très clairement, j'ai envie de m'investir dans la direction artistique. Donc je sais pas jusqu'où ça va mener. Est-ce que ça veut dire aussi tout simplement rester directeur artistique ou évoluer vers directeur créatif? La différence étant qu'un directeur artistique, foncièrement, normalement, n'est responsable que de la partie visuelle artistique. Et ça peut s'élargir à quelques thèmes et la musique, par exemple. Ouais. Alors que le directeur créatif, il est garant du projet complet. Et il peut être avec des influences... peut être un peu plus game designer que
ou un peu plus directeur artistique, enfin, ça dépend, mais il est genre le projet, quand il sort, c'était lui en fait, derrière, c'était son envie, ouais. C'était son impulsion et tout. Et vu que moi je veux raconter une histoire, comment ? Et puis j'imagine encore plus de réunions, plus de managers. Ah oui, bah, bien sûr. Oui, oui, c'est ouais. Ça, donc, j'ai pas peur. J'ai compris, tu vois. c'est acté. Je sais gérer. Mais je pense que si je suis dans cette mouvance de vouloir raconter de plus en plus de choses et que ça soit des choses de plus en plus personnelles, même s'il y a ça, vu que c'est moi, ça passera forcément par un des aspects visuels ou en tout cas de l'univers. Et ben, je pense que je suis sur le passage de faire ça. Je sais pas si je pourrais retourner, à part pour des trucs très très précis, sur du concept art pur, tu vois, où je suis là que pour transmettre les idées des autres. Évidemment, From Software me demande, bah, je réfléchis 200 fois. Ou même, même Blizzard, personne crache sur un Blizzard. Ouais. Une réalité, quoi. Mais en tout cas, j'ai moins de plus en plus j'arrive à me détacher d'une sorte de, pas de culpabilité, mais de regret de pas avoir fait des énormes studios et tout, et en fait je pense que pour concrétiser et vraiment retirer ce regret à 100%, il faut que je me dise, bon bah au moins, oui, je suis pas dans un studio de gigantesque, voilà, et soit un, je peux l'aider à le devenir, ou deux, au moins ce que je fabrique c'est vraiment à moi. Ouais. Et donc j'ai pas à rougir de ça, j'en suis fier et machin. Donc c'est pour l'instant, voilà, c'est vraiment sur ça que je me Alors, illustrateur, directeur artistique, est-ce que pour toi ce sont des métiers difficiles? C'est dur. Dur de répondre. Ah, c'est la question de la fin, hein. Ça va être dur. Ouais, je sais. C'est qu'en fait, j'espère que je ne fais pas chier les gens avec ma philosophie de comptoir, c'est tout. C'est... Trop long depuis le début, au contraire, donc je pense que tu peux continuer. Hein. Ok, ça marche. Du coup, ce que je dirais, c'est que là, forcément, la réponse va être oui et non. Là où c'est non, parce que j'ai du mal à ne pas relativiser la chance que j'ai de vivre, de, en gros, faire des gribouillages. Et qu'il y a des gens qui triment pour pouvoir faire des métiers qui sont pénibles, qu'ils n'avaient pas demandé, qui gagnent des sommes vraiment largement inférieures aux miennes, alors qu'ils font des métiers qui foncièrement nous nourrissent ou fabriquent des maisons, des trucs. Donc sur ce point de vue-là, j'ai toujours, je me considère toujours un peu comme chanceux, tu vois, dans ce genre de métier. Par contre, alors est-ce que c'est un métier difficile ? En même temps, j'ai envie de dire oui, parce que il y a un vrai décrochage à un moment qui se passe où on se dit, ok, c'était ma passion, maintenant ça va devenir mon métier. Donc c'est génial parce que je vais faire ma passion tout le temps, mais en même temps, je vais un peu l'entacher des contraintes du travail, quoi, du monde du travail, des besoins de pouvoir se nourrir, des contraintes de devoir vivre dans des sociétés ou dans de la politique ou dans des choses qui dépassent un peu la pureté même d'être artiste. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui va toucher quelqu'un qui est 100% un artiste plasticien et qui fait son art pour lui et tout. Et ouais. Encore, il devra quand même vendre ça dans une galerie et tout ça, donc c'est pas anodin. Et c'est là où c'est vraiment peut-être le plus dur parce que... Enfin, en tout cas, tel que moi je le vis, chaque dessin que je fais, je me mets un peu quand même un peu de moi dedans. Je me mets un peu en avant. On prend les critiques qui parfois peuvent sembler innocentes, hein, que ce soit des vraies critiques de gens du milieu ou des semi-pros et qui disent leur avis, ou même des gens de ta propre famille qui, sans s'en rendre compte, disent un truc et toi tu es là, oh, ça fait super mal, mais ça va. Toi, un truc qui arrive très très souvent, moi je prends très peu de ref. Donc ce que je vois ou ce que je crée, c'est soit des trucs digérés de ce que j'ai vécu, mais je suis rarement en train de « Oh, il me faut un visage, donc je vais ouvrir un visage » ou « Comment il a fait telle personne ?» machin. Et donc le truc qui m'arrive ou qui m'arrivait le plus souvent et qui me faisait super mal, c'est tu fais un dessin, t'es content, tu dis « Waouh, ça c'est cool !» et j'ai l'impression d'avoir fait un machin, tu le postes, premier post, « Ah, ça ressemble à tel personnage de League of Legends !» Ouais. Et là, t'es anéanti parce que tu te dis, ben putain, dans le meilleur de mes cas, j'ai réussi à faire un plagiat.
Et donc ça, c'est très pesant. C'est très pesant aussi de voir quand t'es DA, dealer avec des sensibilités de tout le monde, alors que t'es déjà en train de te mettre toi-même en porte-à-faux avec tes propres sensibilités, ouais, et ça de peut être... devoir expliquer par A plus B, alors qu'A et B n'existent pas vraiment, que oui, c'est la bonne solution de faire ce personnage comme ça, parce que c'est toi, et que c'est toi que ça t'a touché. Ah oui, mais comparé à la façon dont ça avait touché quelqu'un d'autre. Oui, c'est comme ça, tu le sens, et il faut que ça soit fait comme ça, et c'est horrible, et pourtant, bah, t'as pas le choix, faut que tu te l'imposes, parce que tu le sens, quoi. Tous ces trucs-là, ça fait que c'est des métiers quand même pas simples, où tu... Voilà, tu es toujours en train de réfléchir, tu es toujours en train de créer, ça c'est un truc aussi très pesant, moi. Je dors peu, de base, je suis pas un très bon... J'ai pas un sommeil très léger, et les trucs qui me font le moins dormir, c'est je me couche, et en même temps, j'étais en train de penser à un nouveau concept, un nouveau perso, et oh, ça turbine, j'appelle, c'est vraiment le cerveau qui grouille, tu vois, qui Ouais. s'arrête pas. Et en même temps, donc c'est là où tu as toutes tes idées, et vraiment tu les oublies le lendemain, alors t'es vénère. Et l'autre truc là qui est nouveau que j'ai découvert quand je suis DA, contrairement à concept artiste, même si ça arrive un peu, c'est que tu dois avoir des idées tout le temps. Et ça, c'est hyper dur. C'en est fatigant, en fait, parce que. Une prod de jeu, il y a beaucoup de trucs qui changent, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent et tout. En gros, tu es à une place en tant que DA, enfin en tout cas ma place que j'ai là, en tant que DA, c'est pas de panique, ok, on peut pas faire ça, on n'a plus l'argent pour ça, on n'a pas le truc pour le faire. Je vais trouver comment faire autrement. J'en ai pas la moindre idée, je sais pas comment je vais faire, c'est la merde, mais j'ai une demi-heure, je dois le trouver tout de suite, sinon tout le monde va paniquer à bord, c'est l'enfer. Ah, la sensibilité, ouais. Et ça c'est très pesant. Avoir tout le temps des idées, c'est pesant. Après, ben, t'es plus ou moins bien entouré. Moi, je suis très bien entouré à LightBub. Il y a des gens extraordinaires dedans. Souvent, c'est des juniors, mais ils sont tous super et ils ont des super idées aussi. Donc, là, je suis à une position maintenant où je peux vraiment beaucoup plus qu'avant me reposer et en fait juste leur dire mais vous connaissez la DA, j'ai même plus besoin de vous la rappeler, ouais. Et je ne sers plus qu'à débloquer ou à confirmer des choses, ce qui est quand même agréable et beaucoup plus simple qu'au tout début où il fallait tout créer et recréer constamment, tu vois. Voilà, je ne sais pas si ça répond entièrement à la question, mais sans, pour moi, sincère. Oui. Ah non, et puis il y a eu pas mal de réactions aussi dans le chat. Voilà, ta philosophie a l'air de toucher les gens, donc ouais, tant mieux. Tu peux être serein. Non, c'était super instructif comme réponse. Et du coup, j'enchaîne sur mes dernières questions qui me restent, et puis après, peut-être encore sur deux, trois dernières questions du chat. Ouais. Donc, tu as eu des enfants, et donc tu nous as expliqué un petit peu voilà, les galères que ça a pu être ouais. Voilà, dans le temps que ça te prend, etc. Et tu en as un petit peu parlé, mais je trouvais que c'était peut-être intéressant d'en reparler, c'est comment et combien ça a influencé ta vision artistique et vraiment les directions dans lesquelles, finalement, ce que tu crées a changé. Alors là où ça a changé deux choses. Une chose, c'est que ça a re-ramené des saveurs artistiques que j'avais, mais que j'avais plus, que j'avais pas réexprimées depuis pas mal de temps. Notamment les côtés un peu plus oniriques ou les trucs de conte et tout ça. Mmh. Et donc, il y a des créations que j'ai faites qui sont clairement des contes que je vais raconter à ma fille plus tard. Tu vois. Voilà. Donc, je ne les montre pas forcément, mais elles existent. Et puis, ben, tout n'est pas sur ArtStation. Donc, c'est des trucs voilà, qui sont là. Mais en fait, ça influe quand même, tu vois, même les trucs les plus dark, comme là, celle que je suis en train de faire là, même si elle est dark. Dark coloré ou The Old King, en fait c'est quand même une présentation qui fait conte, qui fait petite légende, qui fait tu vois, il y a une sorte de système de lecture que j'aurais pas forcément adopté parce que j'aurais été plus dans un mood de, je crée un jeu vidéo avant d'avoir mes enfants, alors que là maintenant ben c'est pas une sorte de transposition où je me dis ah mais ça pourrait être quelque chose que je leur lègue entre guillemets, et donc ben je crée aussi un peu comme ça. Donc tu crées aussi un petit peu pour eux alors? Ah ouais, bien sûr, ouais. C'est, ben, tu sais, ils font partie de tout ça, et puis si je fais des suites de jeux ou de trucs comme ça, ça il y a forcément ces événements là vont influencer
ce que j'ai vécu, c'est obligé, tu vois. C'est, je pense que c'est un passage obligé. Et puis, il y a quand même un truc qui est fascinant chez l'humain et dans l'art en général. Nous, on est humains, on est voilà, des sortes de singes évolués qui mangent un McDo, et puis on est des grains, même pas de poussière dans un univers et tout. Donc on ne sert foncièrement à rien, vraiment, vraiment à rien. Et pourtant, même si on s'invente des dieux, si on invente des machins, on a tous le pouvoir d'être des dieux nous-mêmes. On peut tous créer du jour au lendemain dans notre tête, dans nos images, en écrit, en film, etc., des univers qui n'existaient pas quelques secondes avant. Et on se fait nos propres Big Bang comme ça. Et en plus, on les partage avec d'autres demi-dieux qui sont dans la salle de cinéma, devant leur canapé, en train de jouer sur les forums de jeuxvideo.com, des trucs comme ça. Et ce pouvoir-là, il est assez fascinant pour que tu aies l'obligation de l'utiliser, entre guillemets. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et la seule façon en fait, de faire ça, ben, c'est de se nourrir de tout ce qu'on a vécu et de le redonner. Et ce qui est extraordinaire avec les vraies œuvres d'art, hein. Donc, je reprends des noms de jeux vidéo comme Silent Hill ou Nier Automata, Dark Souls et autres, c'est qu'en plus, alors que c'est des trucs très personnels, et ben ça entre en vibration et ça résonne avec des milliers de personnes qui, en suivant les aventures de Joël et de Ellie dans Last of Us, vont se sentir l'âme d'un père alors qu'ils sont même pas encore de copines. Donc c'est ça qui t'intéresse alors dans la création de jeux vidéo alors. Ah oui, ça c'est clair, même dans la création tout court. Ouais, ouais. Très vite, moi en fait, j'ai fait mon deuil. En tant qu'humain, je ne sers à rien. Je ne serai jamais celui qui trouverait le remède du cancer. Je pense que je ne trouverai pas le moyen d'aller sur Mars pour sauver notre planète. Donc la seule chose, le maximum que je peux faire, le truc qui serait le plus ouf, c'est que par une de mes créations, un dessin, une histoire, un jeu, un jour, eh ben, j'aurai influencé quelqu'un qui influencera quelqu'un d'autre ou qui inspirera celui qui trouvera quelque chose de génial. Et là où ça pourrait dire, ah, mais donc, il est à moitié prétentieux, en même temps de faire semblant d'être modeste, c'est que, en fait, c'est juste une réalité. Regardez comment, à quoi ressemblent les nouvelles navettes spatiales ou les tenues spatiales de nos astronautes. Elles sont juste directement inspirées par des concept art qu'on a pu faire dans les jeux vidéo, parce que c'est le commun de « ah ouais, c'est ça qui est cool ». Ou combien d'astronautes ou de physiciens, etc., ont juste été transposés par des lectures de science-fiction, des gars de science-fiction qui ne connaissaient rien à ce qu'ils racontaient, mais qui avaient le pouvoir assez conséquent de influencer des gens qui, eux, sont allés foncièrement dans l'espace. Donc ça, ce pouvoir d'inspiration-là, c'est mon but, on va dire, philosophique de vie, quoi. Bon, après, les trucs personnels, hein, j'ai forcément envie que ma famille aille bien, que mes enfants soient des enfants épanouis et heureux. Oui, évidemment. Non, mais je te remercie en tout cas d'avoir partagé avec nous cette philosophie. Ouais, effectivement, et très personnelle. Et puis, moi, je trouve ça super inspirant. Et j'espère que les autres, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, partageront aussi cet avis. Moi, en tout cas, c'est vrai que ça rebooste en plus, ça remotive, ça donne envie de créer. Ouais. Là, c'est super. Ouais. On sert à ça. On est des troubadours. Il faut l'accepter. Et c'est pas rien. Troubadour, ouais, belle définition. Bon, comme il commence à être tard, je vais te poser maintenant les dernières questions de fin, les toutes dernières. Donc, ça, c'est les questions sérieuses. Hein. J'espère que tu es concentré. Je m'attends à de la blague. Non, au contraire. Alors là, ça va être du pesant. Okay. Non, pas toutes. Il y en aura des plus légères. Donc, ça, tu nous en parlais. Allez, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y aurait une chose que tu aimerais faire différemment? Et si oui, qu'est-ce que ce serait? Que j'aimerais faire différemment. En fait, j'aimerais pas tout changer parce que, au final, quelles que soient les névroses et tout, il y a des choses que j'ai dans ma vie maintenant que je veux juste ne jamais perdre, tu vois. Ma femme, mes enfants, certaines des créations que j'ai faites, et tout ça, je veux juste pas les perdre. Par contre, ce que j'aimerais, c'est comme dans un jeu, c'est le livre dont vous êtes le héros, ou dans un Telltale, The Walking Dead ou des trucs comme ça, j'aimerais juste voir qu'est-ce qui serait passé si j'avais réussi ou si j'avais cliqué sur B au lieu de A, tu vois.
juste pour voir, ok, ah ouais, je serais allé jusque-là. Et donc là, il y a quelques embranchements. Hein. Il y a les embranchements plus personnels de, bah, il serait passé quoi si j'étais resté célibataire. Ça m'intéresse même pas forcément de le savoir, mais je suis curieux. Ou qu'est-ce qui serait passé si j'avais réussi l'entretien chez From Software ? Parce que là, je serais au Japon. Et, tu vois, et en même temps que j'ai eu l'entretien From Software, j'ai eu un entretien chez Blizzard. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais été pris chez Blizzard ? Tu vois, il y a plein de trucs. Bon, c'est souvent professionnel, mais ça n'empêche pas. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus... beaucoup moins attachés aux trucs professionnels. Mais tu vois, genre, qu'est-ce qui serait passé de ma vie si j'avais pas eu ma maladie à 18 ans ? Qui, pour le coup... c'était très douloureux. Ou si je n'avais pas eu ma double hernie discale qui avait failli me faire perdre ma jambe gauche en 2011. Tu vois, il y a des trucs. Ouais. Ça m'a bouleversé ma vie, la façon de faire. J'aurais pu tout perdre sur plein de trucs. Et en même temps, bon, ça m'a amené là où je suis. J'ai pas envie de je ne regrette pas où je suis là. Mais par curiosité, j'aimerais juste aller voir tu vois, ah, les fins alternatives de Chaudret, c'est ça ? Ah ouais, putain. Ah, celle-là, elle aurait été quand même cool. Ça aurait été vraiment juste pour regarder, quoi. Ouais. Donc, c'est pas du vrai regret, du vrai changement. Par contre, un truc, si je veux continuer là-dessus, un truc que je regrette vraiment, c'est ma période d'enfance. Où, si je pouvais... Il y a deux trucs. Si je pouvais retourner au collège-lycée, mais avec mon cerveau de maintenant, ça serait juste génial. Tu sais que c'est assez drôle, parce que je me suis aussi déjà dit ça. Tellement. Je pense que tu dois pas être les seuls d'ailleurs. Ça serait un changement de vie total. J'aimerais tenter ça. Ouais. Je tenterais vraiment, vraiment ça. Surtout que j'ai eu, voilà, j'étais un peu effacé, invisible. Et en même temps, il y a un autre truc que je regarde vraiment, c'est moi j'avais une super bande de copains dans une impasse et pour le coup, j'avais une vie de à l'école où j'étais le dernier des gueux cachés qui jouaient à Warhammer et à Magic, donc on était les rejetés et tout. Autant dans mon impasse, j'étais l'aîné et j'étais celui qui inventait les histoires, qui créait les jeux et on sortait tous ensemble et c'était vraiment une vie géniale. Et c'est vrai qu'il y a un regret, mais qui s'appelle juste la nostalgie, c'est ce sentiment de quand on était jeune et qu'il n'y avait rien à prévoir. Le maximum de... Le truc le plus éloigné de ta vie et de ta journée, c'était le week-end d'après. Et oh là là, une heure de maths te semblait être le bout du monde, alors que vraiment, tu enchaînes des mois sans t'en apercevoir. Il passe comme ça en un clic. Et Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, complètement. En tout cas, il y a eu quelques réactions. On n'est pas les seuls à avoir ce genre d'idée. ouais, c'est sûr. En parlant de regrets, il y a aussi Joe qui demande qu'est-ce qui se serait passé si tu t'étais rasé la barbe, par exemple. J'aurais pas été un guérilla. En fait, en plus, vous m'avez vu avec ma casquette, c'est parce que la seule raison pour laquelle j'ai une barbe, c'est la migration de mes cheveux qui a fait une désertification. Et donc, je suis obligé de garder ça pour avoir un petit peu de pouvoir, de garder ma barbe. Ouais. Sinon, je ressemble juste à un mignon, un informaticien mignon. Et ça, je peux pas me le permettre. Je suis obligé d'avoir un peu de pouvoir viking, sinon. Ouais, il faut. Je suis d'accord. Alors, allez, il me reste trois questions. Ouais. Si les ordinateurs disparaissaient demain, qu'est-ce que tu ferais comme métier ou comme passion ? Eh bien, ça dépend, ils disparaissent comment ? C'est la guerre nucléaire ou c'est... Il n'y a pas, c'est juste plus. Voilà, demain, il n'y a plus de cette technologie, on va dire. Je ferais les seules choses que je sais faire, hein, c'est raconter des histoires. Donc, je ne sais pas comment. Est-ce que j'écrirais, parce que bon, j'écris à côté aussi, est-ce que j'écrirais, est-ce que je trouverais un moyen artistique sans ordinateur, mais c'est la seule chose que je sais faire. Et après, raconter des histoires, ça veut dire aussi raconter aux autres, hein. Ça peut être tout simplement être prof, et donc enseigner via des histoires à des jeunes pour qu'ils puissent faire leur propre truc. Donc je pense que c'est la seule chose que je pourrais faire. Ouais, c'est une réponse qui ne me surprend pas, effectivement, suite à notre discussion. Par contre, tu vois, c'est pour ça que je demandais c'est comment ça finit, parce que dans une guerre, genre la guerre des zombies, moi je sers à rien. je suis brisé, donc je suis nul en sport. J'ai dessiné, généralement, c'est pas la skill numéro 1 quand tu veux survivre, peut-être pour faire un peu de cartographie ou des tatouages pour les gens, mais c'est vraiment, vraiment pas le truc le plus ouf. Donc mes amis disent que je serais un peu le.
l'archiviste, tu vois, celui qui raconte qu'est-ce qu'on a fait et qui se souviendrait de ce qu'on a survécu. Mais ouais. Ils disent ça plus par sympathie parce qu'ils savent qu'en gros, je serais le premier à être bazardé, tu vois. Non, t'es gentil, mais t'es pas très utile quand même. On sait que tu m'auras vu de tout. Oui, passer. Oui, bon, on se pose. Mais oui, tu seras archiviste, ouais. Ouais, c'est bien archiviste, c'est super cool. Voilà. Bon, si dans le chat vous avez encore une ou deux questions à poser à Alexandre, c'est le moment. Moi, j'enchaîne avec encore une autre. Ça, c'est la question habituelle de fin d'interview. Si tu avais un tableau géant et que tu pouvais écrire un seul message dessus ou une seule citation pour la planète entière, qu'est-ce que ce serait? Attends, je vais prendre 2 secondes pour y réfléchir. Elle est dure, celle-là. La première que j'ai pensée, c'est « J'aime la pizza pepperoni », mais c'est vraiment pas le message que j'aurais laissé à l'humanité. On se rappellera ça de toi, oui. Ce serait un peu le troll. Il aimait la pizza pepperoni. Il l'aimait. Tu vois, avec un accent en plus, ça serait parfait. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si je devais dire un seul truc, bon, je vais rester dans la même veine, tu vois. Je dirais écoutez-vous et racontez-le aux autres. Voilà, je dirais ça. Comme ça, je pense que c'est presque plus universel qu'on le pense, parce que. Bon, je veux pas faire de béni oui-oui, machin, on s'écoute pas assez les uns les autres et tout. Mais par contre, je sais, et je suis sûr et certain, parce qu'on manque de philosophie dans notre société, dans notre monde, qu'on ne s'écoute pas nous-mêmes assez. Et que si on s'écoutait et qu'on savait un peu qui on est et où on va, ben on fermerait plus souvent notre gueule. On arrêterait de se plaindre de plein de trucs, parce que en fait, ça permet de s'écouter soi-même, permet aussi de connaître un peu plus les autres et donc de les laisser tranquilles quand il y a des problèmes, quand on n'est pas sûr de trucs. Donc voilà, écoutez-vous les uns les autres, enfin écoutez-vous-même et racontez-le ensuite. Ce serait très bien comme message. Très bien, excellente réponse, effectivement. Ah oui, alors il y a effectivement une question qui est revenue plusieurs fois, alors je suis désolé Bro Shinobi, mais je vais la poser maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais quand tu coinces sur une illustration? Est-ce que tu as des trucs pour te débloquer? Je change de système. Donc si je coince sur une illustration et que c'est une commande par exemple, ou un besoin ou une demande, donc que ce soit un concept pour un projet ou pour Otherside ou je sais pas quoi, si ça tourne en boucle et que c'est pas bon, au moment je repars de zéro, voilà, complètement. Et si ça c'est toujours pas suffisant, le reboot n'est pas suffisant, je change la technique. Donc là, la technique du chaos, là, comme j'ai pu faire pour cette gentille dame, c'est très libérateur pour pouvoir, quand t'es coincé et que tu veux te libérer de plein de codifications qui se sont ajoutées au fur et à mesure du projet ou dans la construction des personnages que tu es en train de faire. C'est assez libérateur, mais ça peut être complètement autre chose. Sur mon ArtStation, par exemple, vous pouvez voir, il y a deux espèces de monstres. Alors, ça n'a pas eu de succès, parce que voilà, ça ne devait pas avoir de succès. Mais moi, j'ai bien aimé les faire, où en gros, je suis parti de pâte à modeler de ma fille. Elle a fait un espèce de blob, et puis moi, j'en ai sorti un monstre. Et je me dis, oh putain, ils sont trop cool, il faut que je les partage. Puis personne n'a aimé, mais moi, j'étais là, genre, non, je vais continuer à dire, ils sont trop cool. Chaque fois que je suis coincé, c'est ça que je fais, quoi. Je prends un truc opposé et puis j'essaie de me libérer et tout. Après, ça vient aussi avec l'expérience. Tu sais comment être de moins en moins coincé par une page blanche et tout, parce que ben, ouais, t'as des zones de réconfort pour pouvoir te lancer plus facilement si jamais ça coince un peu. Et puis, tu vois, moi, je sais que si je coince sur un design et que je sais vraiment pas quoi faire, j'ai qu'à faire un drapé rouge avec un crâne, et en gros, même si c'est pas une bonne idée, ça me remettra en selle en mode « Ok, au moins je fais un truc satisfaisant, je peux maintenant chercher plus loin, et puis voilà. » Donc faut voir que c'est propre insécurité, quoi. J'espère que ça aidera à Bro Shinobi. Et il y a encore une autre question que je trouve vraiment pas mal d'Archange, qui est « Es-tu satisfait de ton style, Alexandre? As-tu ce complexe de ne pas être assez bon alors que tu es génial ?» Bah, comme je le disais au début, chaque fois que je mets un dessin sur ArtStation, je le déteste. Donc, je pense que ça... tu ne t'habitueras jamais alors. Non, c'est sûr. Ça fluctue parce qu'il y a des trucs où, tu vois, par la reconnaissance des autres, je me dis, ah ok, celui-là, il était cool. Ou je le vois terminer après dans un jeu et je me dis, waouh, ouais, c'était cool. Et, etc. Mais le dessin que j'ai fait en lui-même, je me dis toujours, oh, t'as fait encore une belle croûte.
Alors, on aime bien s'auto-flageller. Ouais, bah, ça fait partie du game. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, je tiens quand même à dire qu'il est dimanche soir, il est 23h30, ça fait un peu 3 heures qu'on a commencé et on a perdu seulement 30 personnes, en tout cas d'après ce que me dit YouTube, donc quand même, je pense que... 30 sur 35, ce qui fait qu'on fait... Voilà. Donc, merci à Archange d'être encore avec nous. Et... Bon, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai adoré cette interview. Comme ah, cool. Bah, désolé pour les cafouillages au début. Hein, mais c'est pas ta faute, encore une fois. Les soucis qui arrivent. Donc, voilà, j'espère que c'était aussi intéressant pour toutes les personnes qui nous ont regardé et qui vont encore regarder la vidéo dans les prochains jours et même les prochains mois. C'était pour moi. Et donc, je te remercie. C'était vraiment hyper inspirant. C'était super cool. Il ne faut pas hésiter à en refaire si jamais besoin. On peut toujours blablater pendant des heures si c'est sur les domaines philosophiques. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Vous repris, ça va être. Est-ce que tu as un dernier conseil pour tous ceux qui nous regardent et qui permettrait justement à ces gens de réaliser leur rêve de peut-être avoir une carrière artistique ou en tout cas un niveau artistique comme le tien? Bon, alors si vous voulez détester vos artstations comme moi, c'est pas non. Un conseil que j'ai donné il y a hyper récemment et qui était très complexé par son propre niveau, mais pas que artistique, mais voilà, il se sentait en insécurité par rapport à la culture générale ou la culture artistique dans les grandes lignes et tout ça. C'est un conseil que je lui ai donné, donc qui n'est pas applicable à tout et à tout le monde, mais ne vous sentez pas plus bête que vous êtes, parce qu'en fait en art, c'est toujours important de connaître des choses, d'avoir un background artistique, d'avoir des refs et des gens qui, des idées qui vont vous popper parce que vous avez connu telle personne et tout ça. Mais oubliez jamais que vous êtes les faiseurs et ceux qui connaissent juste des refs, etc., c'est juste des critiques. Et en fait, un critique ne vaudra jamais la personne qui fabrique des choses. Genre vraiment jamais. Donc si vous avez quelqu'un qui vient et son seul but, et ça se sent hein, au bout d'un moment, est de vous déblater autant de culture générale et de blabla qu'il peut, même si c'est dans le but de vous aider hein, en soi ou c'est fait inconsciemment, il faut pas. Il faut pas l'écouter, il faut pas se sentir amoindri par ça. Prenez ça comme des forces, prenez ça comme des défis à relever pour vous-même. Mais vous sentez jamais amoindri parce que ce qui viendra au final, toute fin de tout, si vous êtes successful dans un truc artistique, et je le souhaite, hein, donc si vous passez les caps de réseau, si vous passez les caps de problèmes techniques ou d'apprentissage, c'est ce que vous allez mettre dans vos persos. Et ça vaudra toujours plus que d'avoir fait quelque chose à la quelqu'un ou à la façon de ou avec toutes les rêves possibles sur comment fabriquer tel machin dans la réalité et la vraie fonction de tel objet. On sera toujours plus touché par quelque chose qui vous a touché vous parce que quelqu'un quelque part a eu la même chose et ressentira la même chose quand vous l'aurez montré de façon efficace à travers vos dessins. Donc ne vous sentez jamais amoindri parce que vous ne savez pas et recentrez-vous sur ce que vous connaissez et qui vous êtes. Et c'est ça qui fera que vous allez lancer et aller loin. C'est beau, hein? Allez, on met générique de fin de manga. C'est... Un petit soleil couchant, un petit sakura, tu vois. Et là, rideau, c'est magnifique. Non, super, super. Je pense qu'on a bien conclu cette interview. À part si tu voulais encore ajouter quelque chose, si tu voulais encore peut-être nous parler d'un projet, de... Non, écoute, là, je suis bien. Ok, super. Je finirai ce perso... Pour vous, c'est vacant, mais je vais essayer de faire ça. Bah ouais, bah bravo en tout cas. Hein, pour déjà que c'est pas facile de faire des démos en live, en même temps en plus qu'on répond à des questions, c'est encore plus dur. Et en plus de ça, le résultat est déjà super cool, donc bravo à toi. C'est weird, mais on reconnaît au moins une tête quelque part. Ouais, non. Bah, je vais pas parler de la fin en tout cas. Ouais, c'est ça. Et bah, nombreuses sont les personnes dans le chat qui te remercient. Et qui nous remercie, on va dire. Donc moi, je te remercie encore une fois d'avoir accepté cette interview, d'avoir donné ton précieux temps pour nous donner tous ces conseils et nous partager un peu ton expérience.
ceux qu'il faut remercier, c'est ma femme qui a qui va parler. Pendant que je ne pouvais pas rien faire. Ouais, bah merci à la femme d'Alexandre. Et donc, bah, pour tous ceux qui regardent la vidéo, vraiment prenez le temps d'aller voir, de visiter le ArtStation d'Alexandre. Encore une fois, vous avez aussi la chance de pouvoir lui poser des questions si jamais l'interview n'y a pas répondu directement sur digitalpainting.school, puisque Alexandre s'est créé un compte pour l'occasion. Donc, si jamais vous voulez lui envoyer un message privé, et bien sûr, s'il a le temps d'y répondre, il le fera. N'hésitez pas en tout cas. Et puis, bah, je vous encourage vivement à suivre tous les projets d'Alexandre, et notamment ce fameux jeu vidéo Otherside. En tout cas, moi, perso, c'est sûr que je me pencherai dessus et que je vais suivre ça de près. Donc, j'espère en tout cas que ce format d'interview vous a plu. Si c'est le cas, on en refera sûrement d'autres dans le même style. Je vous remercie à tous pour votre présence et encore une fois, merci Alexandre. Merci beaucoup. Bye, bonne soirée, bonne nuit tout le monde. L'art digital t'intéresse ? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français ? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.